Ouais, que. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est vrai que c'est un peu plus tôt, mais bon. On va faire avec. Hein. On va faire avec. C'est vrai que c'est un peu plus tôt, mais on va faire avec. Entrez, venez, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, installez-vous, partagez. Bonsoir. Vais un peu voir. Et maman, je peux partager aussi. Entrez, sentez-vous à l'aise. Saluez-moi aussi, non, comme je vous salue comme ça. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce direct. Ce direct, vous connaissez du genre. J'ai fait une petite pub avant. pipi. Mais tu restais, tu ne sortais pas. Bon, je vais d'abord faire un petit tour de direct parce que vous là, parfois, oui. Bonsoir, bonsoir. Enfin, merci des partages déjà. Merci des partages. Je partage un peu. Venez, installez-vous. Merci. Maman, il paraît que tout le monde est fatigué aujourd'hui. Personne n'écrit, personne n'a mon temps. Entrez à la maison, sentez-vous à l'aise, partagez, envoyez les cœurs, écrivez ce que vous voulez. Ici, c'est antenne libre. Chez Chupinette, c'est antenne libre. Attendez un peu, il y a l'émission antenne libre. Hé, maman. Chez Chupinette, c'est antenne libre. Je salue tous les gens qui viennent maintenant. Bonsoir, Julie Camden. Coucou, Chanel, ce suis. Bonsoir, Adi Dumont, du moment. Bonsoir, Mireille Bango, on compte sur toi pour écouter par haut. Bien sûr. Lily de la Tosse, comment? C'est la veillée aujourd'hui? Oui, c'est la veillée comme d'habitude. Et encore comme d'habitude, je travaille demain. Mais moi et le sommeil, là, vraiment, c'est deux choses différentes. Bonsoir, Vénus Germaine. Bonsoir, Chupi. L'attente de ton direct était imminente. Oui, voilà pourquoi j'ai vite fait de me laver, de venir plus tôt, parce que je me suis dit, bon, je vais aussi travailler demain. Ça risque de prendre un peu de temps. Donc, j'aimerais bien qu'on ait du temps. Je ne vais pas me presser. J'aimerais bien que les gens puissent donner leur opinion. Et puis, j'aimerais me sentir à l'aise, parce que je sens comme si Pao nous a donné un petit. Un gros bim là. Oh, bonsoir Joseph Samet. Merci beaucoup pour la pub dans ton direct. Merci pour le partage. Je te remercie. Je vois mon frère, my brother, le métis FDL. Il est en place. Je dis bonsoir. Je remercie. Et je vais partager ici. La raison pour laquelle j'ai dit que j'allais faire le direct à 23h30, c'est que j'étais en route avec la famille, vous savez. Et quand Pao a fait le direct, mon frère, le métis FDL, m'a bipé, mais je n'ai pas vu. Bizarrement, quand je pars avec l'autre téléphone, oh, mais Diane, il faut pas que Nova emporte ton téléphone, Emma. Bonsoir, Péri le Lion. Mon bé adoré. Mon cœur même. L'abeille là même qui a su gagner mon cœur. La personne là même pour qui? Hein? Mon cœur bat comme ça, bonsoir. Ouais, Mako, Anna, Liliane, Kelly, si tu m'entends, si tu es avec moi, c'est un gros bonsoir, ma personne. Tu es dans mon cœur, dans le cœur de beaucoup de personnes. Poupée chinoise, bonsoir. On passe un petit tour de bonsoir avant de commencer pendant qu'on partage. Oh, Mimi Rose is in the place. Bonsoir, ma Mimi Rose. Ouais, Jamila Bright. Qui? B, que tu viens. Il paraît que quand je fais les directs, tu dois d'abord venir avec ta voix suave là que tu as utilisée hier là pour essayer un peu de donner un bonsoir avant de sortir. Donc je vais un peu faire un partage ici.
Avant de continuer, je vais partager ici. Je n'ai pas l'habitude de partager, mais je me suis rendu compte que sur Facebook, vraiment, ce n'est pas comme ma foufou fait souvent là que elle devient bête là que partager. Le partage est très important sur Facebook. Et c'est impérial que tout le monde puisse écouter ce que Pao a dit parce que là, il ne blaguait pas. Il n'a même pas. Il n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il voulait. Marie-Claire, oh, toi, je t'apprécie beaucoup. Je ne connais pas la personne, mais je te vois souvent. Tu me soutiens vraiment beaucoup. Bonsoir à toi. Tu as une belle voix. Oh, merci. Tu vois, Africa Capella va venir s'asseoir pour dire que c'est Chanel, c'est celui qui a une belle voix. Les gens, vraiment. Merci beaucoup. Peut-être, je ne sais pas si vous allez entendre. Bonsoir, Flore. Bonsoir, Flore Semeni. Je ne sais pas si vous entendez l'écho. Le problème, c'est que mon gars, il a décidé de ne pas dormir tôt aujourd'hui. Il a décidé de rester regarder Netflix. Donc, moi, j'ai dit, bon, je ne vais pas avoir le bruit de Netflix. Donc, je suis entrée dans la cuisine. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit écho. C'est que vous savez que c'est simplement parce que je suis dans la cuisine et moi, je l'ai laissé avec le salon. Vous savez que moi, j'aime souvent trop dire la vérité, non? Je dis toujours la vérité. On commence, on est déjà à 6 minutes de direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce direct. Ce direct, j'aime bien ce monsieur. Il ne mâche, non, il ne mâche sûrement pas ses mots parce que vous allez bien voir que. Pao, il a été direct. Je ne sais pas si je vais commencer avec le pourquoi de son direct. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les petites coupures du direct de Pao, de Lolo l'autre jour. Donc, ça fait que elle a dit qu'elle allait porter plainte ou elle a dit qu'elle a porté plainte. Et c'est ce qui a énervé Pao. Sitamata, bonsoir. Sitamata, je travaille demain. Voilà pourquoi j'ai commencé avant 23h30. Parce que j'ai pensé, dernièrement, tu m'as dit, ma fille, il ne faut pas rester tard la nuit. J'ai dit, d'accord, Sitamata. Donc, bonsoir, Yohan Tamak, bonsoir. C'est quoi la page de Pao? Warren, Pao s'appelle comment? Warren. Hé, hey, maman, le nom de Pao, il n'y a qu'un anglais pour dire ça. Moi-même, là, ça m'a déjà dépassé. Je vais voir si quelqu'un peut écrire ça. Warren ou c'est quelque chose, Nabil, de quoi, 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 quoi. Donc ici, je vais vous faire d'abord écouter une petite partie du pourquoi Pao est sorti. Partagez le direct. Bonsoir, Solange Mafola, tata des abeilles. Celle-là que quand elle lit les événements, quand nous-mêmes, on est encore en train de chercher le miel. Celles-là même qui connaissent souvent voient les choses que nous, là, on ne voit pas. Je te salue là-bas, Solange Mafo. Donc, je commence un peu maintenant, en attendant que les gens viennent, on partage. Je vous fais comprendre pourquoi Pao a fait sa sortie. Pao a fait sa sortie parce que vous connaissez la femme terriblement attachée. Elle a passé beaucoup de temps dans les ténèbres. Bon, elle est toujours dans les ténèbres, mais après l'histoire de l'attachement, elle avait décidé de ne plus sortir. Elle a dit comme quoi elle est devenue folle, entre guillemets, donc déprimée, elle ne se sent pas bien, elle s'est sentie attaquée et son docteur a demandé qu'elle reste un peu, elle se repose, quoi. Mais nous avons bien remarqué qu'entre-temps, elle ne s'est pas reposée. Elle était dans tous les directs de tous ces petits nyama-nyama-là qui disent être de la Russie. Et la Russie, nous connaissons comment Poutine est. C'est Poutine qui dirige. Mais dans ce cas-ci, le Poutine, si, c'est un peu comme Poutine. Ah bon, je vais pas partir de ce côté. Mais bon, elle a fait un peu du sale. Elle a vraiment insulté celle-là donc je suis, Fleur de Lille. Elle était dans tous les directs en Allemagne, au Cameroun. Donc, elle n'a même pas suivi les consignes du docteur. Donc, ça veut dire qu'elle n'était vraiment pas malade. Parce que si elle était malade, elle n'allait pas être dans les directs de 3 heures dans le noir, tard dans la nuit, les directs de 4 heures pour parler comme elle le faisait. Anyways. Donc, après sa sortie, elle a vraiment espéré faire un boom. Elle a prétendu qu'elle allait faire un direct sur l'attachement.
mais elle a fait un truc TV, un truc, bon, ça n'a pas marché. Ils se sont plaints que c'est parce que le grand méchant était en direct. Mais bon, c'est comme on dit, tu ne peux pas obliger les abonnés des autres à venir te suivre. Et donc, c'était un flop total. Après ça, elle a encore essayé de revenir un peu de... Tu vois quoi? Tu vois, quand tu es en train de te noyer, là, tu essayes un peu de ramener la tête hors de l'eau. C'est ce qu'elle a fait l'autre jour. Je n'ai pas suivi son direct, mais il y a, je crois, une casse qui coupe souvent les vidéos. J'ai vu cette partie-ci. Et je crois que c'est à partir de ça que Pao s'est fâché. Je vais vous faire écouter une partie de ça. Des menteurs et des menteuses. Vous ne racontez pas comment vous bouffez les sacs de femmes, c'est la vie de l'Europe que vous voulez parler. Vous voulez parler de moi? Franchement, vous voulez parler de moi? Vous avez la chance, c'est qu'elle est juridique. Le moment venu, nous allons nous tenir à la barre. Chacun va parler sa part. Oui, je suis suivi par l'association des femmes, violence contre les femmes de Reims. J'ai une juriste qui me suit là-bas. Tout est bien scellé. Le mois, c'est dans un an. Nous avons une place, on va parler. Ne croyez pas que va entrer jusqu'à elle. On donne les tomates à deux balles. Moi, je n'ai pas les frères. Mieux de vous qui avez les frères. Regardez. Donc, je vous fais comprendre pourquoi Pao a fait sa sortie. C'est à cause de cette vidéo-là. Donc, après ça, on va suivre le direct de Pao parce que j'ai eu la chance d'enregistrer ça. Donc, on va suivre l'intégrale de la vidéo qui était peut-être 26 minutes de direct. Donc, et puis après, on va en parler, on va en discuter, quoi. Donc, partagez le direct, envoyez les cœurs et si vous êtes même gentil, si vous avez même, vous envoyez les cœurs parce que les étoiles parce que ma page est maintenant monétisée. Ah ouais? La chupinette aussi est entrée dans la danse. C'est les femmes pour les pour vous envoyez l'homme qui est la femme vient me discuter, de venir discuter avec moi. Vous êtes raté. Vous voulez être star, vous ne serez jamais star. Oui, j'ai travaillé ma star manière. Ouais, ok. Elle dit ici qu'elle a travaillé sa Starmania. J'aimerais juste vous rappeler ici que Lolo n'a jamais travaillé sa Starmania. Non, elle n'a pas travaillé cette Starmania. Lolo a récupéré cette Starmania sur le dos de Flore de Lille. Et elle avait elle-même dit, je vais. Attends, je vais voir, je crois. Elle est en train de dire là qu'elle a travaillé sa Starmania. Elle avait dit, je vais me faire connaître sur ton nom, Flore de Lille. Que tu le veuilles ou pas, ce serait comme ça. Chaque jour de ma vie que je vais me réveiller, je vais prononcer ton nom. Ça, tu n'as pas le choix. C'est ce que Lolo avait dit et la vidéo est encore là. Donc, pour que Lolo s'asseye ici maintenant et dise que elle a travaillé sa Starmania et que les gens sont en train d'essayer de voler sa Starmania, c'est du faux parce que les vidéos nous rattrapent chaque fois. Donc, j'aimerais bien dire à Tata Pipi que hey, maman, calme-toi. Tu n'as pas travaillé de Starmania. La seule chose que tu as travaillé, c'est la vente de piment à Aubervilliers et on le sait. Donc, on continue. J'ai une juriste qui me suit là-bas. Tout est bien. L'homme qui est la femme vient me discuter. Devenez discuter avec moi. Vous êtes dilaté. Vous voulez être star, vous ne serez jamais star. Oui, j'ai travaillé ma Starmania. J'ai travaillé pour être là où je suis. Sans nuire à la vie de quelqu'un. Sans insulter ou ici ou. Sans nuire à la vie de quelqu'un. Sans insulter X, Y ou Grette. On connaît comment Lolo a nui à la vie de Mavo. Lolo est sortie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, elle était partie là où Bernard, je ne vais pas appeler l'autre nom, son nom commence avec M, habitait, criait jusqu'à pisser sur elle. Elle a même fait. On a levé le type là de son appartement parce que on trouvait un peu que c'était un peu un genre d'avoir. Si tu as le genre d'ami là qui vient crier la nuit comme ça, hein, qui avait les menaces et les trucs comme ça, vous voyez un peu. Donc, elle a. Ok, Kinjele. Toi, Kinjele, si tu es parti chercher les problèmes aujourd'hui, ne sont insulté. Si tu blagues, je vais mettre là où celle-là. Oui. Celle-là t'a bien insulté aujourd'hui jusqu'à failli insulter ta maman. Donc, c'est comme ça que je veux dire. Il faut être patient à mon beau-frère. Voilà, Kinjele, il était mon BFR. On parle comme ça, Sangha. C'était en 2015. Je m'en Kinjele, quand on était dans les inbox, quand tu sortais, ma soeur Ange. Tu vas écouter le direct. Celui qui est pressé par moi, je travaille demain à 7 h. Donc. Et merci, Sitamata. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Ouais, maman.
Maman, pardon, ne me dites pas que ma connexion est en train de... Vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez... Je me suis défendu quand il... C'est comme ça, peut-être de Christelle. Je ne sais même pas qui avait filmé cette vidéo-là, je ne sais pas qui a pris cette vidéo. La bonne dame me dit carrément que Lolo, tu m'as lancé, tu m'as clashé dans Facebook. Moi, la fille de Biaï, quand j'ai dit bonjour à quelqu'un, ou quand j'ai mangé à quelqu'un, merci, Tata Prestige. Je ne me permets pas d'insister la personne dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas comme vous. Vous n'avez pas honte. Bon. Moi, j'ai honte. Je vais mettre en spectacle à une personne avec qui j'ai déjà mangé ou posé, changé plusieurs fois. Mange. Je ne le fais jamais parce que j'ai la crainte. Hé, maman, les étoiles de sang, je suis fini. Je n'ai jamais fait ça à quelqu'un de dire que fait une vraie ou Y. Jamais. J'ai pris sur moi. Tu manges, Lolo. Pipi, tu manques. Tu as déjà dit à quelqu'un de faire les directs. Tu as dit à ma foufou, avec preuve, de sortir, de faire les directs de soutien pour toi. Tu as dit à ma foufou de prétendre comme si elle était en train de te soutenir sans que les gens le sachent. Tu mens trop. Oh, moi, je n'aime pas les grandes soeurs qui mentent comme ça. Mais Pipi, tu manques, tu oublies souvent. Tu manges souvent quel genre de médicament qui te tourne un peu le cerveau. Tu mens. Ce n'est pas dernièrement là que tu as fait ma foufou nous a sorti les vérités. Et ça, ce n'est que le début parce qu'il y a même encore des gens qui peuvent même sortir avec des preuves là où tu as demandé que va dire ceci et ceci simplement pour me soutenir. Mais par contre, c'est parce que tu vois que Flore de Lille, la PDG, oui, ma foufou, celle-là même qui ne supplie pas l'amour, les gens l'envoient les messages de soutien chaque jour. Les gens envoient les cadeaux. Tu vois comment faut faire ses tournées. C'est ça qui t'énerve. Tu peux demander à Foufou. Est-ce qu'on peut avoir confiance en Foufou? Eh, Pipi. Et puis, t'as pas de personne même que tu demandes au soutien. Bon, on va arriver à Otam. J'ai encaissé. J'ai dit, je me permets jamais d'insulter ici ou Y. C'est vous qui êtes venu mettre la vidéo sur la toile. Ce n'est jamais moi. Vous êtes venu mettre la vidéo sur la toile. Soit disant qu'on m'a tassé. Que j'avais dit que mon gars, je n'aime pas mon gars. Si j'ai deux gars, je vais vous mentir. Je vais dire ce que tu vas entendre. Je passe le dire. Alors, ce qu'il va entendre. Est-ce que j'ai peur de ça? Je ne voulais pas raconter mon histoire. Langasi est Sophie, je vous jure. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Parce qu'elle est en train de mentir. Et nous, on a les vidéos qui montrent que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est du pur mensonge. Elle-même, elle a dit... Lolo a dit, c'est parce que je ne vais pas sortir de la vidéo pour partir vous faire. Attendez, je vais sortir. Je vais partir dans un fichier, excusez-moi. Je vais entrer dans ma galerie, là où Pipi, elle-même, elle était en train de dire, mince, Pipi. Bon, le direct, ce n'est pas sur elle, hein, mais c'est que quand j'entends des choses, je voulais juste que vous compreniez pourquoi... Pourquoi pas Otame sorti comme il est sorti. Il est sorti fâché parce qu'elle a fait ce direct. Bon, ça, ce n'est pas long. Non, elle était en direct à Bey Beni. Elle était en direct et c'est le direct qui fait en sorte que pas Otame sorte maintenant fâché pour dire que vraiment, ça, c'est quoi ça? Écoutez ceci. Attendez, je n'ai même plus besoin de tout vous jouer ça, parce que vous connaissez déjà. Mais là, il s'assoit maintenant pour faire comme si ce sont les gens qui avaient mis les mots aussi sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est elle-même. Donc, je dis que chaque chose qui sort de la bouche de cette femme est un mensonge. Est un mensonge. Chaque chose qui sort de sa bouche est un mensonge. Cet homme, ce n'est pas Foja, hein. Cet homme, c'est pas Otam. Grâce à cet homme, pas Otam. Otam. Donc là où elle se sentait déjà délaissée là. Grâce à lui, j'ai eu encore envie de vivre. Il m'a motivé. Il m'a même relooké. Pas Otam l'a motivé à relooker. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais pas depuis 4 ans n'avait plus le même regard chez moi.
Pas faux, déjà. Depuis 4 ans, on n'avait plus le même regard. Mais c'est la même pipi qui, avant-hier, était en train de dire que vous avez dit que je n'aime pas mon mari. C'est le seul homme. Donc, vous comprenez un peu. Je vous fais juste voir un peu le personnage. Ok. J'ai pas ça. Je me suis pas séparée de ta parce qu'on ne se fait plus. Je ne sais pas lui passer. Elle va aller chouanter un moment. Elle ne s'est pas séparée avec autant parce qu'elle ne l'aimait plus. Elle s'est séparée avec autant parce qu'il y avait un choix. Et le choix là, c'était quoi? Je vais vous dire. Le choix là, c'était qu'elle avait besoin de quelqu'un pour rester à la maison avec sa nièce. Oui, celle-là qu'elle a à la maison depuis. Pendant qu'elle n'est pas travaillée. Elle n'a pas travaillé ou à Aubervilliers. Elle fait quoi? Elle vend le piment. On continue. Vous n'avez pas déjà raconté l'histoire que j'ai vécue il y a de cela quelques années? Je ne vous ai pas raconté ce que j'ai subi. Il y a des milliers de femmes ici qui souffrent dans les maisons avec les hommes. Je ne vous ai pas raconté ce que j'ai subi comme je ne vais plus revenir là-dessus parce que mon homme en a trop pris sur lui. Il ne prend pas quelque chose. Cette histoire-là. Il ne prend pas quelque chose. Je ne vous ai pas raconté ce que j'ai vécu dans mon histoire, dans un moment dans mon couple. Vous êtes tous au courant. Vous voyez comme j'étais nouveau. C'était pas nouveau pour vous. Et on dit clairement que non. J'ai dit que si quelqu'un a la vidéo où on m'attache en train de faire l'amour, la personne met sur Facebook, j'enlève ma plainte. Par Otama dit dans son direct aujourd'hui que si tu continues, si Pipi tu continues, tu vas le sentir. Pas Otama dit, oh. Donc les avertissements que tu es en train de donner là, sois sûr que tu es bien assise, Pipi. Sois sûr que tu es bien assise. Je juge. Bonsoir, je suis la tante de ma mère qui est au Cameroun. À Babou. Si quelqu'un a une vidéo où on m'attache en faisant l'amour sur Facebook, je t'en sais. Même dans n'importe quel clé USB, je pose dans les réseaux sociaux, j'enlève ma peine parce qu'il n'y en a pas. Je n'ai jamais fait de sex-step avec cet homme. Jamais. Je n'ai jamais au grand, jamais. Mais j'ai changé de photo, oui. Sex-step, non. Je le dis haut et fort et à qui veut l'entendre. Je ne sais pas mentir, c'est un truc qui. C'est mon histoire. Je peux la raconter à qui je veux. Je n'ai pas honte de et tu changes ça. Chaque fois. Chacun de nous a eu la fête des choses dans la vie. Si tu es fait, si tu es devant les faits, parle. Confesse-toi. Ça n'a rien à avoir peur. Maman, c'est le moment sans partage. Qui est partagé, même le direct, non. Pourquoi vous êtes méchant avec les partages comme ça? Montrez-moi. Je ne demande pas souvent les partages, mais partagez au moins. Hein? Hey, c'est le pétrole de la page, vous savez pas. Eh, hey, ma Larissa Nga est là-haut. Chacun de vous avez plus à faire des choses dans vos vies. Mais il faut jamais avoir honte de dire la vérité aux gens. Ça peut aider d'autres personnes. Donc, ne venez pas vous accrocher de conneries comme ça. Je vois des bordels. Il y a un mollusque qui est, je ne sais pas dans quel touara. C'est un nabo là qui n'a pas l'état, qui a refusé de grandir. C'est un temps économique. C'est super. C'est du camel comme ça. Comment on appelle super maquillage. Hey. Il a raté sa vocation. Hey. Il met le téléphone et insulte mon père qui m'a mis au monde. Qui insulte tes parents un jour. Tu peux parler à mon père. Regarde-moi un fils de clochard. Moi, tu peux. Tu t'assois parce que comme t'es berger, il me donne. Mon homme, c'est lui qui paye la maison à la fin du mois. Hey. C'est mon homme qui paye la maison tous les mois. C'est un travailleur. Il se lève le matin pour travailler. Et même si je dors, où est le problème? L'homme est fait pour nourrir la femme. Hey, tais-toi. Tu entends ce qu'elle est en train de dire là? Je vais chercher la partie de pas autant. C'est la technique. Parce que mon oiseau m'enregistre. Il y a les WhatsApp. Quand est-ce qu'on a parlé? À quel moment? J'avais décliné cette invitation. J'ai dit non, je ne venais pas. Au départ, j'avais dit non, je vais voir. Ma petite soeur Michela Pedga, elle là. La reine mère de l'hommage, je vais dire, elle là. Elle savent quand il y a quelque chose, j'appelle. Il y a notre joker des États-Unis. Je parle avec elle. Julie Loé est là. Si ce sont mes soeurs, je ne leur cache rien. J'ai expliqué qu'il y a telle chose, mais dites dans telle émission. Mais je n'irai pas. Mais pour ne pas blesser la personne au départ, j'ai dit que je vais demander à Papa Fouda. Papa Fouda ne me commande pas. Mais tu voulais demander à Papa Fouda. Papa Fouda, ce n'est pas un homme qui me commande. Hé, maman. Ce n'est pas un homme qui me comprime. Il me laisse faire ce que je peux. Parce que je suis une grande fille. Je suis grande, je peux réfléchir avec la tête. J'ai décidé que de moi-même, je n'avais jamais en parlé. J'ai décidé de moi-même que je n'y vais pas. Que je n'y allais pas. Et j'ai envoyé le monsieur que je ne parle pas. Parce que où est le but? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Qu'est-ce qu'on va parler de ça? C'est devenu une histoire que
Mais quand vous bouffez les sacs de femmes, parlons aussi de votre vie. C'est de sa vie qu'il était en train de parler. Exactement, c'est de sa vie. Il t'a attaché. Oui, il t'a attaché. Parce que Pipi, tu es en train d'essayer de mentir maintenant. C'est de la vie d'autant qu'on parle. Et voilà pourquoi c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a décidé de parler de sa vie. Même s'il n'était pas seul, il a voulu dire ce qui s'est passé. On t'a attaché. Mais reste tranquille. Non, tu es en train de vociférer. Tu es en train de faire... C'est qui est sûr, c'est que les gens qui sont en train de activer derrière là ne seront pas avec toi quand ça, il serait trop tard. Dans votre vie, est-ce qu'on sait jamais, c'est que c'est pas le bon. Et puis la bonne dame me dit qu'à moi, pour Lolo, je ne t'ai jamais insulté. Et je ne t'insulterai jamais dans ma vie. Jamais, mais, au grand jamais. Non, tu l'as jamais insulté. Ta petite soeur est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une pétition en place pour qu'on enlève cette femme de cette télé. Ta petite soeur est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insulté la dépouille de l'enfant de cette femme. Mais je dis, tu t'entends souvent, tu n'as jamais rien fait, ma victimisation. Tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Et c'est toi-même qui avais dit que tu vas amener ta petite soeur sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit aussi blogueuse, comme ça elle pourrait manger l'argent de la monétisation. Donc ce qui veut dire que si c'est toi qui as amené ta petite soeur avec sa voix de crapaud sur les réseaux sociaux, donc, tu es responsable de tout ce qu'elle fait. Vous avez insulté une femme qui a perdu son enfant. Insulté jusqu'à l'enfant qui était mort. Envoyé une pétition pour arracher le gagne-pain de ta soeur. Celle-là même que tu avais écrit, tu avais dit comment elle était ton idole. Mais Lolo, tu t'entends souvent. On a besoin de faire les directions, t'envoie un peu comme ça. Tu vas un peu t'asseoir pour raisonner un peu. Parce qu'il paraît que tu ne comprends même pas ce que tu dis. Parce que j'ai du respect pour ta personne. Parce que j'ai du respect pour l'échange qu'il y a eu entre nous un jour. Je ne me permettais jamais de faire ça. Parce que je suis quelqu'un d'éduqué. Mais quand vous avez créé votre petite réunion contre moi, du jour au lendemain, ça devient comme si vous étiez mes adversaires. Vous n'êtes pas mes adversaires. Nous allons finir en justice. C'est là-bas. Vous entendez maintenant? Nous allons finir en justice. C'est là-bas. C'est ça qui crée, qui fait sortir Pao. Donc, je voulais vous faire un peu comprendre, un peu avant de jouer maintenant au direct de Pao, comme ça, vous comprenez donc tout ce qui se passe. Ça, c'est une femme qui a adulé Pao. Elle n'a pas laissé autant parce qu'elle n'était plus amoureuse. Non, elle a laissé parce qu'elle cherchait son babysitter qui allait s'occuper de son enfant. Et Pao a été prêt pour ça. Mais Otam, lui, n'était pas dans ça. Maintenant, elle est en train d'attaquer Aïcha. Pourtant, Aïcha faisait juste son émission. Les chroniqueuses ont posé des questions. Et ça s'est tourné comme ça s'est tourné. Mais je ne crois pas qu'elle doit se jeter dessus. Elle doit regarder le monsieur avec qui elle était. Elle doit regarder le monsieur qui l'a attaché. Et elle doit regarder, se regarder elle-même et comprendre pourquoi elle s'était laissée attacher quand elle était encore dans une autre relation. Ça, c'est une femme qui a crié haut et fort ici qu'elle est polyandre. Qu'elle soit avec un homme, elle soit avec l'autre parce qu'elle ne veut pas lâcher les deux. Et c'est la même personne qui veut se jouer les je ne sais pas. On écoute. Attendez un peu, ça c'est quand Pipi parle de Aïcha Sol. Émission Voice Africa, un big up à toi Aïcha Sol. Mon animatrice top modèle, dont tu es mon modèle à moi, Aïcha Sol. Vous entendez? Je t'aime parce que tu m'aimes aussi. Je dois que t'apprendre même en mots. J'arrive à l'émission Aïcha Sol. Comme j'aime parler là. Aïcha Sol me pose une question. Je ne vois pas où les gens disent que tu pleures d'amuser partout dans les réseaux sociaux. Mais vous êtes bête ou quoi? Donc tu es arrivé chez Aïcha Sol, ton animatrice top modèle. Celle-là même que tu aimes beaucoup, elle t'a posé une question et tu as menti sur Mafo Fleur de Lille. Mafo Fleur de Lille ne t'a pas déposé la plainte. Non, elle est restée fair play. Elle a dit, bon, c'est mon ex-yame soeur, elle est en train de faire ses dégâts, elle cherche à être connue, moi je vais laisser là où elle est. Ton ex, celui-là même que tu as laissé, pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu ne pouvais plus, mais tu étais toujours amoureuse. Il va parler maintenant de sa relation. Tu trouves qu'ils sont partis trop loin. Ta petite soeur coche son enfant qui est mort. Ta petite soeur coche la femme et envoie une pétition pour qu'on la lève du travail.
Et toi, maintenant, tu veux déposer la plainte sur ça. Pourtant, ma fleur de lit ne t'a même pas. Elle n'a même pas fait kick. Tu as menti sur son nom. Menti que c'est elle qui t'avait publié. Entre-temps, je peux encore mettre là où ma foufou disait que ce n'est pas Kenkam. Je peux encore dire, maître, là où ma foufou disait que ce n'est pas Kenkam. Mais sinon, le direct, si vraiment, ça va partir toute la nuit. On continue avec toi. Je vais manger l'argent de la télé, non? Je vais manger l'argent là. Si j'ai raison, je vais manger l'argent. Mmh. Oui, j'accepte, je vais manger. Mmh. Si j'ai raison, mais je ne parle pas pour ça. Je parle pour mon honneur. Si vous me montrez une vidéo, vous... Pardon, il y a combien de gens qui rient quand ils attendent quand Pipi dit que je parle pour mon honneur. Pipi dit qu'elle parle pour son honneur, pardon. L'honneur de Pipi, c'est quoi, eh? Ouais, Pipi. Pipi, ton honneur, c'est quoi? Ouais, Lolo. Hein? Ton honneur, c'est quoi? On a dit qu'on ne t'insulte pas. Donc, moi, je ne suis pas en train de t'insulter. Je joue seulement tes choses et je te demande vraiment si, quand parfois tu parles, tu te réécoutes. Quel honneur tu as? Toi, cette femme sur les réseaux sociaux, tu as pissé plus que toutes les blogueuses. Je dis bien qu'on met tes pantalons là, ça se voit. Le pantalon jaune, le jour que tu insultais à mon sous le soleil. Une grosse tache, c'est là-bas qu'on a commencé à t'appeler Pipi. Le jean même. Une grosse tache, on va mouiller comme ça, Pipi. Dans tout ça, on va t'appeler quoi? On va t'aider comment? Quel honneur, Pipi. C'est toi qui amène Kanwa, c'est Mola Omar. C'est toi qui l'amène chez toi quand ton mari et ta fille sont en train de dormir pour venir boire les derniers champagnes de Parafoja. Que le gars se lève à 5 heures pour partir travailler. Après, tu mets encore, tu blâmes encore la petite fille. Mais ça, c'est elle qui a ouvert la porte. Tu as quel honneur. Tu as quel honneur. Honneur de femme, tu connais. Tu connais l'honneur. Il faut souvent parler des choses que on peut aussi rester comme ça, on reste tranquille. On dit que, hey, pour une fois, Pipi a dit la vérité. Hein. Pipi, tu as honneur où? Même honneur est même étonné. Que honneur, honneur. Je vais montrer que l'argent n'est pas intéressant pour moi. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas une parvenue. La vie ne m'a pas surpris. L'argent n'est pas trop important pour moi dans la vie. Mais je ne veux pas qu'on salue ma personne quand on ment sur moi. Si vous avez une preuve. Comme Lolo, tu dis que tu n'as même fait une vidéo où on t'attache en faisant l'amour. Voilà la vidéo. Je pars à la minute qui suit. J'appelle mon avocat, je retire la plainte là. Devant Facebook, je retire ça. Parce qu'il n'y en a pas. C'est du mensonge. Est-ce qu'il y a, qu'on a besoin d'avoir la vidéo avant que ça soit vrai que on t'avait attaché, Pipi? Je dis, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vidéo pour savoir qu'on t'avait attaché? Non, monsieur a dit qu'il t'avait attaché. Toi-même, même encore, tu as même encore accepté. Attendez, je rentre encore dans mes archives. Attendez, hein. Toi-même encore, j'avais même coupé. C'est dans le téléphone que je suis en train de faire le direct avec. Parce qu'elle-même, elle avait accepté. Oui, c'est dans le téléphone que je fais le direct. Hé, maman, regarde alors. Toi-même, tu avais accepté qu'on t'avait attaché. Oui, tu as accepté qu'on t'avait attaché. En acceptant qu'on t'avait attaché là, tu as accepté qu'on t'avait attaché aujourd'hui, tu es en train de discuter quoi? Tu discutes quoi? Je vais chercher ça. Attendez, je vais revenir sur ça. C'est comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Je peux avoir des fantasmes hein, comme toutes les femmes. Chacune de vous avez des fantasmes. Si vous ne développez pas vos fantasmes, c'est votre problème. Il y a des femmes qui aiment quand on leur fait l'amour, on leur suce les seins. Il y a des femmes qui, quand on les fait l'amour, on les insulte, des salopes, des connasses, on dit des gros mots. Il y a des femmes qui aiment bien la violence dans l'amour. Il y a les sœurs, il y a les haïtes en amour, il y a beaucoup de parties en amour. Il y a des femmes qui peuvent faire l'amour. Voilà, il y a même des femmes qui aiment les partous. Il y a des femmes qui aiment. C'est l'amour. Dans l'amour, tout veut le tout. Je n'aurais pas honte de vous dire que j'ai fait des choses. Non. Parce que dans l'amour, on fait tout. Si vous êtes des femmes frustrées, voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas d'hommes. Quand vous êtes dans vos relations ne marchent pas parce que vous ne savez pas savoir ce que vos partenaires aiment. Parce que je peux pas comprendre qu'en 2023, on trouve une masse de femmes, une bande de villageoises, des femmes qui ont le cerveau percé, qui n'ont rien dans la tête. Elles commencent à dire ben, on a attaché, fermez vos gueules. Bande de femmes qui portent le cabanon, elles tombent avec ça sur le lit. Et en 2023, hey, donc je dois voir comme ça, on ne fait pas ça. Yemo, à partir de dorénavant, il va arriver mon cabas. Donc vous comprenez un peu.
Pourquoi Otame est sortie? C'est un peu la raison pour laquelle Otame est sortie, parce que elle est maintenant, elle a tourné un peu le sujet. C'est devenu un peu un genre, parce que là maintenant elle est en train de dire que il va falloir qu'on démontre avec une vidéo. Mais pourtant on n'a même pas besoin de la vidéo pour démontrer, parce que étant donné que elle-même elle avait déjà accepté, je crois j'avais fait une vidéo sur ça. Elle-même elle avait déjà accepté que on l'avait attachée, mais ce n'était pas pour les raisons là. Je crois qu'elle est mal placée maintenant pour dire que elle va amener pas autant devant. Je vais voir si je peux. Donnez-moi un peu. Attendez un peu si je retrouve l'attachement. Dans mes choses aussi, je vais vous faire écouter ça. Ouais, avec j'ai tellement les vidéos ici que ça fait même parfois. Je n'arrive pas à tout voir. Et puis il y a aussi d'autres dans le téléphone. Le téléphone que je suis en train d'utiliser. Ça, c'est quel? Attends un peu, ça c'est quel? Ouais, bon, 5. Ah non. Ça, c'est le zoom lordon, ce n'est pas ça. Bon, je peux sauter celui-là, parce que je ne crois pas que je vais trouver ça maintenant. On peut sauter et on part maintenant sur Otam. Mais l'affaire de l'attachement là, je crois que j'avais fait ça quelque part, donc c'est ça qui m'énerve. C'est vraiment ça qui m'énerve, parce qu'elle avait parlé de ça. C'est Chupinette Block. Bon, on laisse tomber. Je vais continuer maintenant. Je vais vous jouer le direct de Otam, parce que c'est ça que j'ai promis. Chose promise. Chose due. Mais ça m'énerve que je n'arrive pas à trouver. Excusez-moi un instant. Je suis comme ça. Ça m'énerve que je n'arrive pas à trouver ça, parce que c'est un truc que j'ai fait. Et quand je fais un truc, je sais que j'ai ça sur ma page. Je vais regarder les vidéos sur Chupinette Block. Chupinette Block. Envoyez les cœurs pendant que vous attendez. Je crois que c'est la vidéo là qui. Ne partez pas, attendez. Parce que maintenant, je vois maintenant, elle est en train de tourner pour que ça soit comme quoi, si tu n'as pas une vidéo qui va prouver que tu m'avais vraiment attaché, tu n'as pas le droit de parler. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Elle-même, elle sait que c'est vrai, mais maintenant, elle essaye de jouer un peu. Elle essaye de jouer avec ça comme si elle était tellement. Ça, c'est quelle? Comme si elle était tellement intelligente. Pourtant, non, 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 ce n'est pas ça. Je crois que ça doit être celle-ci. Comment dire, c'est la partie sexuelle. C'est la vidéo qui vous intéresse le plus. Et déjà que je parle pas de ça. Ça, ce sont des voix. C'est la petite partie où on explique qu'on a attaché ici ou ça. Mais voyons. À la fin même, je ne sais pas ce que vous, dans votre tête, vous réfléchissez. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la merde. C'est la partie la plus bête de la vidéo qui vous intéresse. Encore certaines fois, si vous blessez, je suis désolé. Tu demandes, c'est les chroniqueuses qui posent la question. Donc, pas autant, m'avait même demandé les excuses, hein, comme vous attendez là. Il dit même que ce sont les chroniqueuses. Donc, j'ai retrouvé une ancienne vidéo que j'avais faite. Ils ont vu, et j'essaie de détourner avec l'expliquant, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et je les explique à ma manière pour qu'ils comprennent. Si c'est ce que tu as captivé, ça c'est ton problème, mais je n'ai rien dit pour t'insulter. Rien pour t'insulter. Tout ce que j'ai dit, c'est que toi-même tu as déjà dit dans tes vidéos, je peux les ressortir. Mais attends un peu, tu. Sois pas pour aller au Ah, c'est ça maintenant. Quand on parle que c'est le Japon, les Camerounais vivent du Japon, ils se nourrissent du Japon. Tu viens de déposer un truc comme ça, tu dis que tu as attaché une femme, c'est elle-même qui a demandé, tu veux quoi? Otam, je ne t'ai jamais demandé un jour de m'attacher. Je déteste le mensonge. Ce jour, tu m'as attaché parce qu'elle avait refusé que je ne parle pas. Hey, pas Otam, viens prendre. Voici la preuve. Ce jour, tu m'as attaché. Vidéo ou pas, pas Otam.
C'est sur le blog de Choupinette. J'ai gardé ça dans la clé USB. Ce jour, tu m'as attaché. Maintenant, elle est en train de jouer avec les mots comme quoi. Oh, il n'y a pas de vidéo. Pas autant. Viens, oh, viens. Voici ça ici. Comme ça, tu dis que tu as attaché une femme, c'est elle-même qui a demandé. Tu veux quoi? Voici Pipi qui dit qu'on l'a attaché. Je ne t'ai jamais demandé un jour de m'attacher. Je déteste le mensonge. Ce jour, tu m'as attaché parce qu'elle m'a refusé que je ne parle pas, je ne sors pas pour aller au restaurant. Tu m'as attaché par force. Je t'ai dit, détache-moi. Sors cette vidéo. Il faut que tu la montres. Je t'ai dit, détache-moi. Je ne veux pas. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne t'ai jamais demandé. Parce que ça, c'est choquant. C'est du mensonge. Tu as menti. Le problème à elle, la tonta, c'est qu'elle ne connaît pas ce qu'elle est en train de dire. Donc, elle est en train de dire qu'on l'a quand même attachée. Mais c'est parce qu'elle ne voulait pas, mais elle a été attachée. Vous voyez une personne qui ne raisonne même pas, mais c'est elle qui est en train de partir à la justice avec Pao. Maman, Pao, voici la vidéo. Fais seulement ma publicité. Oh. Et oh, j'ai trouvé. Oh. Elle a même avoué. Oh. Je ne t'ai jamais demandé un jour de m'attacher. Je déteste le mensonge. Ce jour, tu m'as attaché parce qu'elle avait refusé que je ne parle pas. Je ne sors pas pour aller au restaurant. Tu m'as attaché par force. Je t'ai dit, détache-moi. Sors cette vidéo. Il faut que tu la montres. Que détache-moi. Je ne veux pas. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne t'ai jamais demandé. Parce que ça, c'est choquant. C'est du mensonge. Tu as menti en pleine télévision. Tu mens sur moi. Tu dis que moi, tu m'as tiré le cou. Tu as une vidéo, tu m'as tiré le cou. Est-ce qu'il y a une vidéo où tu m'as tiré le cou? J'étais avec Stéphane. Il est en époux vivant ensemble. Est-ce que tu as pensé que moi j'étais avec Stéphane? Est-ce que toi et moi on s'en vit depuis? Est-ce que toi et moi on se voit? Est-ce que je suis mon... Oui, vous vous êtes vu. Parce que tu avais dit après dans un autre direct que wow, Pao, tu avais une belle gars, qu'ils étaient bien ensemble. Tu allais même partir au mariage si on t'invitait. Tonta Pipi, la menteuse de la toile. Ça te rattrape. Pas autant, voici ça, elle a dit que tu l'avais attaché. Amène ça seulement devant monsieur le juge. Maintenant, c'est de ça qu'il était question. Je voulais trouver ça. Quoi, elle t'a dit? J'ai dit, m'a dit. Je suis passé après le pays, c'est fait la voiture, on s'est croisé quelque part. Depuis là, tu m'as encore vu même mes traces. L'année dernière, il y a une soirée, je suis passé, je suis rentré à celui que je rentre. Je me sens mal à l'aise, je suis parti. C'est même quoi? Vous et Chantal, vous avez mis votre couple pour me tuer? Je ne peux pas laisser cette histoire. Je ne peux pas. Ne laisse pas. Dans la tête. Tu dis, tu ne peux pas laisser. Ne laisse pas. Va faire 650 vidéos. Moi-même, je vais te tousser. Tu sors, tu parles de moi. Je deviens blogueur à cause de toi. Et tu es devenu blogueur. En cours. Et on va courir comme tu veux. Bon. Je crois que maintenant, si vous avez suivi, envoyez les cœurs partagés. Si vous avez maintenant suivi, on lance la partie de Pao Tam. Et entre-temps, envoyez seulement les cœurs parce que je ne vais pas interrompre pour que... Et si vous n'envoyez pas les cœurs, je vais interrompre pour que vous envoyez les cœurs et pour vous partager. Merci. Donc maintenant, je relance du début. Hein, si vous êtes prêts, c'est parti. Hey, Perry le lion était là-bas. C'est mon bébé qu'on appelle Perry la lionne. Yé, ma le gars, la macho. Maman. Yesh. Papa, il y a les noms sur Facebook. Comment il y a un peu les noms là? Il y a un ce boulot. Wanda Foot. C'est le Japap. S'il n'y a pas 100 personnes. S'il pas... Ouais, bon, salut Guy, comment tu vas? S'il n'y a pas 100 personnes, ne parle même pas. Parle pas, vous allez m'excuser un moment. Parle pas, si t'énerves, tu ne parles pas. 100 personnes au moins. Je vais un peu regarder. 27 minutes. Excusez-moi, je vais juste regarder quelque chose. Je coupe alors le micro pour écouter mieux. Elle dit qu'elle est polyandre.
Donc moi, je suis en train de dire, les gens disent, oh, pipi est top, Je suis rentrée dans une ancienne pipi, vidéo, excusez-moi un peu. C'est son fantasme. C'est elle-même qui a demandé comment. Dans le même registre de polyamour. Oui, maman. Tu as suivi, maman Pépé, en train de lire la tigresse. Maman Pépé a dit qu'il y aura un autre Japa du sextet venant du Cameroun. Oui, maman Pépé a dit ça en live aujourd'hui. Maman, j'étais en train de faire les enfants dans la journée, c'est tout le monde des choses que je fais. Excusez-moi, je suis rentrée dans un ancien. Maman Pépé a dit que du côté du Cameroun, non, comme elle est polyandre là, c'est toujours polyandre au même sens, non. Ces sextets sont partout dans le Du coup, l'engade du John du Cameroun a causé. Le journaliste. Tu m'as parlé du journaliste. Maman, pardon, ne parlez pas de le nom. Je n'ai pas appelé le nom, je demande seulement le journaliste. Est-ce que c'est le seul journaliste dans la planète, maman? Le journaliste, n'est-ce pas? Non, non, moulin, moi, je sais. Maman, le ballon, Nicolas. Maman Pépé dit que sous ce sur la CFTT de Yao. Maman, que c'est une question de temps. On va faire une pétition pour Abraham. J'ai vu sa pétition en train de faire pétition pour quoi? Ou c'est pour Aïcha seul quoi? Pétition pour Abraham pour que Pipi puisse libérer Abraham pour que le monsieur la recouvre sa liberté et puisse vraiment jouir de sa vie avant de devenir un vieillard. Non, ça c'est n'importe quoi. Mmh. Bon, je commence. Maman Pépé a lancé ça comme ça. Mmh. Il y a un monsieur qui vient avec du chemin. Dodo, ouais, mon grand frère Dodo Bakounien. Et voilà bien ton frère Chrétien. Il n'y a pas d'attention. Et voilà bien de Chrétien. Papa, il y a les noms sur Facebook. Maman, il y a un peu les noms là. Qui a fond ce bout là? Wanda Foot. C'est le Japap. S'il n'y a pas 100 personnes. S'il n'y a pas. Ouais, bon, salut Guy, comment tu vas? S'il n'y a pas 100 personnes, il ne parle même pas. Parce que le tout, c'est moi-même, il va aussi me vanter un peu. Parce que j'ai comme l'impression que. S'il n'y a pas 100, et en plus. Je ne veux pas les étoiles. Je dis encore, je ne veux pas les étoiles. Ma page est monétisée. Mais je n'ai pas besoin des étoiles. S'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'étoiles. Je ne veux pas les étoiles. Je ne vis pas au départ de Facebook. Je ne vis, je cherche pas à être stable. D'autres ont dit que je devais être stable pour avoir les étoiles, pour vivre de Facebook. Moi, je travaille. Je ne vis pas, au départ de Facebook. Donc, celui qui met l'étoile, je le bloque. Qui met l'étoile, je le bloque. Je ne veux pas les étoiles. J'ai la politique de mes moyens. Je n'attends rien d'une étoile pour vivre. Bonsoir tout le monde, déjà, ceux qui sont arrivés là. Donc, je ne veux pas les étoiles. Je ne demande pas les étoiles pour quelque chose. Je ne veux pas les étoiles. Parce que, comme on dit que je suis venu blogueur, parce que les blogueurs cherchent les étoiles pour vivre de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je ne demande rien à personne. Donc, je ne veux pas les étoiles. D'abord, je préviens la bonne gens, premièrement. Bonsoir, Ramatou. Je ne veux pas les étoiles. Merci. On attend le chiffre, le nombre. Le Japon dit qu'on m'a porté plainte. Et quand on porte plainte, on fait la publicité. Quand on porte plainte, on ne fait pas la publicité. On attend. Et on envoie, on donne les noms. Et on envoie les convocations. Et en plus, on n'envoie pas les plaintes aux gens. On envoie les convocations aux gens pour répondre à la plainte. Donc quand on dit qu'on envoie, on a envoyé les noms. Et qu'on va répondre aux plaintes. On n'envoie pas la plainte à quelqu'un. On porte plainte à quelqu'un, on lui envoie une convocation, il répond à la convocation. Mais j'aimerais bien savoir quel est le chef d'accusation qui est sur la plainte, parce que j'ai raconté mon histoire. Donc je ne suis pas participé à l'histoire. Parce que quand les gens vont porter plainte, il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de dire d'abord, parce que le français est très difficile. Il faut dire que le français est très délicat. Quand tu dis que j'ai porté plainte, le motif, ça sera quoi? J'ai raconté mon histoire. S'il y a une vidéo qui existe, je suis concerné, je suis dans la vidéo. Donc c'est mon histoire. Ça veut dire qu'aucune plainte ne peut m'être portée. Parce que l'histoire ne concerne que moi. Je raconte mon histoire. Parce qu'il y a confondu beaucoup de choses. Je vais un peu essayer de détailler là-dessus. Les gens qui portent plainte, ça de quoi ils parlent quand ils vont porter plainte. J'ai raconté mon histoire. Donc quand on porte plainte sur mon histoire, attention. C'est pas tellement qui va porter plainte pour diffamation de mon histoire.
C'est mon histoire que je raconte. Personne ne me pose la question sur moi. On me demande, on pose la question sur moi. Et ça me concerne personnellement. Donc attention quand on dit qu'on a porté plainte. J'ai peur que la plainte se retourne contre celle qui porte plainte. Parce que le droit est recto verso. Et la personne me connaît bien, que c'est que je suis, dès que la tête de ça et ça. Le droit est recto verso. Comment est-ce que ça? J'ai entendu que j'ai porté plainte, on peut envoyer les plaintes, on envoie les convocations. Voilà. Bataille, je suis encore là. C'est vendredi aujourd'hui. Le travail est fini, j'ai le temps. Jusqu'à dimanche, 20 jusqu'à dimanche, j'ai le temps. Je ne peux pas répondre en semaine. J'étais perturbé par mon travail. Là, je réponds parce que nous sommes vendredi. Mon week-end commence. Je suis prêt. Je n'ai peur de rien, ni des mots. Je ne parle de personne. Je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des plaintes. Je me connais, je suis un habitué des plaintes. Il n'y a pas un pays aussi passé, je n'ai pas eu une plainte. Je suis un habitué des plaintes. Même là-bas où on a voulu me tuer là, on m'a porté plainte 4 fois. Il y a eu classement de dossier 4 fois. Celle-même qui parle là, elle connaît que 4 fois j'ai gagné le procès, 4 fois. Et c'était ici à Paris, c'était pas ailleurs. Ici à Paris, 4 fois porté plainte. Chez les mœurs, ils m'ont raconté n'importe quoi là-bas. Quand je suis arrivé, je me suis exprimé. Ils sont retournés à la queue dans les fesses avec la honte. Donc c'est pas une histoire qui me concerne particulièrement, où je suis concerné, et que où la question m'est posée à moi, le concerné, qui puisse me faire peur. Je les mets au défi. Je les mets au défi. Et s'il n'y a pas de plainte, c'est moi qui vais porter plainte. Pas le bruit de Facebook. Je ne fais pas le bruit de Facebook. Je vais voir, j'attends la plainte. S'il n'est pas là, c'est moi qui vais porter plainte. Voilà, je vais porter, c'est moi qui vais porter plainte. J'attends. Je ne contiens pas mes pieds. Permettez-moi d'aller battre d'ailleurs le tapis, sur le tapis rouge. La magie. Je vais faire mal. Voilà. Je ne suis pas blogueur, s'il vous plaît. Comment on appelle? Je vais répondre à quelqu'un là. Allumez une caméra, c'est mon téléphone. Merci, Ngolo Mouloma. C'est parce qu'on a allumé un téléphone qu'on est devenu blogueur. Ne confondez pas. J'ai le droit de dire, de répondre aux gens qui m'attaquent. Ça n'a rien à voir avec le blog. Je ne blogue pas, je ne parle pas des gens, des choses qui me concernent pas. C'est une histoire qui me concerne personnellement. J'ai dit, qui me prononce, je réponds, et je suis en train de répondre. Non, arrêtez de dire que je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas un blogueur. Et je ne serai jamais un blogueur. Il y a des personnes qui sont faites pour ça. Il y a des personnes qui ont la hargne, qui sont vraiment faites pour ça. Moi, je ne suis pas un blogueur. Je n'ai pas envie de devenir blogueur. J'ai entendu, on m'a dit que quelqu'un m'a envoyé des sacs quand il était star. Allez dire à Abba que je suis star avant eux. Je suis connu au Cameroun. J'avais que 12 ans. Star avant eux. Quand on devient connu en France à cause de Facebook, à partir de 2017, mon histoire est dans tout le monde entier, pour ceux qui me connaissent. Je n'ai pas besoin de star. Je suis une vraie star. Quand tu donnes mon nom que par avant Facebook, on dit qu'on me connaît. Je ne suis pas star du quartier. Merci. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent que je vais devenir ce star là. Je suis star. Ceux qui me connaissent vous disent. Même ceux qui parlent, allez leur demander. Je suis star depuis. Je suis star. C'est parce que beaucoup là qui parlent là. C'est moi qui les ai montés à Paris là. C'est moi qui les ai montés à Paris. Je les ai amenés à Paris dans les boîtes de nuit. Je les ai amenés à Paris dans les soirées. Ils ne connaissent pas la route des soirées. C'est dans les quartiers là-bas cachés. C'est moi qui les sors de là pour les amener en ville. Vous dites, mais dis-je que je veux devenir star. Vous entendez ce que Paolo veut dire, non? Que même Pipi qui est en train de parler là, c'est lui qui a mené Pipi à Paris, c'est lui qui a montré Pipi Paris. Donc Star là, lui il était à Star même avant que Pipi ne laisse pas Foja pour venir. C'est lui qui a pris Pipi à s'habiller comme Pipi a dit là. Donc la Star Mania là, Pipi s'est accroché sur Marfo, mais lui pour lui était déjà depuis. Hé, Paolo, tu es trop fort. Attendez un peu, voir combien de cœurs vous avez envoyé. Ok. On a 100, c'est 100, presque 200 personnes et il n'y a que 40 personnes qui ont déjà envoyé les cœurs. Non, je grève. Je grève, maman. Je travaille demain à 7 heures. Je grève. Maman. Je grève. Je vous donne un bon direct comme ça. Ouais. Ouais, envoyez les cœurs pour Chupinette. Envoyez les cœurs. Dolo Moulin, maman Sarah a dit que vous envoyez les cœurs pour Chupinette. Tata So a dit que tout le monde envoie un peu les cœurs. Ouais, ne soyez pas méchants avec vos cœurs.
Ah, ça arrive. Déjà que moi j'ai fabriqué, puisque moi je veux devenir star. C'est malheureux, c'est déplorable. Parce qu'il y a des choses qui sortent de ma bouche. Je pense qu'il y a un qui va se cacher. Mais comme je n'ai pas envie de détruire la vie des gens, c'est pas ma priorité. Je réponds juste au fait qu'on a dit qu'on va me porter plainte. Donc je mets en cause ces gens. Je suis venu faire ce direct pour mettre ces gens au défi. Et qu'ils prennent cette vidéo, c'est parce que je vais la publier, je ne vais pas l'enlever. Pour les donner à leur merci, avocat, ma soeur, à leur juriste. Si ces juristes vraiment connaissent le droit. Et à leur dire que j'ai dit que c'est mon histoire que j'ai racontée. Je n'ai pas parlé de quelqu'un, j'ai raconté mon histoire. Ils vont me montrer dans quelle partie je parle de quelqu'un. Ce n'est pas de moi que je parle dans cette vidéo, si vraiment elle existe. Maintenant, si elle n'existe pas, je ne sais pas. Mais je dis que je l'ai pas au défi, hein, parce que j'ai des jours que quand demain ça va rebondir, on va dire que oh, pourquoi tu as rien fait comme ça. J'ai les preuves de ce que j'avance. Je ne parle pas, je ne me cache pas, j'ai les preuves de ce que j'avance. Qu'ils aillent porter plainte. Et après, là, devant les magistrats. Bibi, qui a raison. C'était pour vous dire ça ce soir. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre sur ma part. Il y a une fille là, on appelle c'est Dangelo qui l'a. J'ai entendu son nom, c'est la rue de Dieu là-bas. Qui m'a traité de gigolo pour masse. Ma chérie, toute ta famille réunie, elle est nourrie. C'est moi qui parle. Renseigne-toi, je ne mens pas les poches des gens. Il dit bien, toute ta famille réunie. Je ne sors pas les... Pour chanter le nom de vos parents sur Facebook, je ne parle pas de ma famille, hein, je parle de moi. Parce que si je parle de ma famille, ceux qui me connaissent, vous allez courir. Je ne parle jamais de famille des gens. Tu viens me traiter de gigolo. Amenez-moi une femme ici qui m'a donné, je même c'est 100 euros. J'ai dit, vous devez dire, ouais, non, vous l'appelez gigolo. 100 euros, vous l'appelez gigolo. Moi, je m'en ai des femmes. Une femme peut me donner quoi? Une femme, je me mets de Dieu, je l'ai insulté, elle peut me donner quoi? Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on se respecte. Quand vous venez devant les. Vous venez dans les directs des gens. Ça, c'est pour élucider, pas pour discuter. Qui m'insulte. Dès que je me rends compte, c'est toi. Parce que les mêmes personnes avec qui vous êtes aujourd'hui là, qui vous envoient m'insulter, demain vont me dire qui vous êtes. Et vont vous taper. Parce que la même personne qui parle, que vous supportez, va me dire qui tu es. Il va te trouver. Je te dis ça, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ça va durer 3 ans. Mais la même personne là, demain, quand il n'y aura plus de problème où je pourrais lui parler, elle va me dire qui tu es. Il va t'attraper, toi qui m'insultes là. Et tu vas me dire ça en face. Tu crois que tu as le faux profil? Ces gens-là, pour vous, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là, pour vous, qui est-ce? Vous créez ce profil-là? Vous venez insulter les gens. Mais la même personne aujourd'hui, là, je vous dis au défi. Elle vous a dit dans son direct que, elle appelle, elle va débloquer, elle va enlever la plainte, non? La même personne me dira qui tu es. Et moi, je vais te traiter. Toi qui m'as insulté, là. Parce que c'est bien de venir insulter les gens. Mais la même personne me dira qui tu es. Elle va te trouver. Et ça, à quel moment, même si c'est dans 10 ans, elle me dira. Parce que je connais le personnage. Comme elle dit qu'elle me connaît, moi, mais je la connais. Je connais le personnage. Quand elle m'a décidé à avoir tes informations, je vais moi-même débloquer la personne, je vais l'appeler. Elle me dit que tu vas te trouver où tu es. Toi qui m'as insulté là. Quand vous venez sur Facebook, au lieu de supporter vos amis, venez insulter les gens que vous ne connaissez pas. Je vais te répondre. Ne te dérange pas. Je me réserve, je ne parle pas beaucoup. Toi, tu dis qu'un vrai homme ne parle pas beaucoup là, le cul de ta mère. Tu as compris, je suis un faux homme, tu m'as gavé la chatte. Je suis un vrai homme. Du n'importe quoi, la poubelle. Moi, je m'appelle Otam Sébastien, va mon nom. Sors ton nom, tu mets là, je te vois. Vous mettez en faux, vous parlez aux gens. Déchets des vies, là, je te bloque. Tu ne sers à rien là, tu la vois chez elle. C'est elle qui vous envoie, parce qu'elle ne sert à rien. Je vais ramasser les faux pour me faire insulter les gens. Moi, je ne suis pas pour insulter les gens, je ne me rends pas mal levé. Donc, je fais ce direct juste pour répondre à deux, trois petites phrases qui m'ont concerné dans ce que les gens ont raconté. Parce que j'ai passé dans les gens. Donc juste pour répondre que j'attends la convocation. Sinon, pas mon adresse, je vais dans mon adresse. 2, place du Maroc, 75 019, pardon, Paris. Vous envoyez le courrier à mon adresse. Non, pas d'étoile, merci. Je n'ai pas d'étoile, s'il vous plaît, pas d'étoile, pas besoin. Vous m'envoyez la convocation à mon adresse. Vous me dites, si vous n'arrivez pas à envoyer mon adresse, je vous envoie l'adresse de l'ange de Bourse. Je suis au 37 rue de la Zouille. Pao a trop d'assurance. Je dis que trop d'assurance. Si c'est que s'il clique les doigts comme ça, non. Comme ça, c'est le doigt comme ça. Pipi va rentrer en courant. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là,
Une gars te dit carrément qu'elle n'a pas laissé le gars parce qu'elle ne le y avait plus. Vous n'entendez pas. Le gars connaît, il connaît sur quoi il compte. Ok. Pas haut. Hey. Oh, notre père au tabou. Notre père au temps des temps modernes. 7501 Paris. Vous m'envoyez à mon nom là-bas, ça va arriver, ça va me trouver. Ça va tout mon nom. C'est un package que je comprends pas, je me connais très bien, tout mon nom. Vous envoyez la convocation là-bas, donnez ça aux enquêteurs, on me trouve là-bas. On va me trouver, je veux répondre. Chrétien, je suis en train de boire ta bière, que vous, chrétien. Le goût est fort, la sambalaise. La sambalaise. Donc, je disais tantôt que. J'attends vos convocations. Si je ne les vois pas, je ne peux pas attendre un an. Mais comme je dis quand même dans un an, moi, je n'attendais pas un an. Moi, j'ai un avocat. C'est pas du tout que j'ai l'avocat. Moi, j'en ai. C'est moi qui vais porter plainte pour diffamation bientôt. Je vous donne d'abord le temps de porter vos plaintes. Et tant que je n'ai pas reçu ce que j'attends, maintenant, moi, je veux rétorquer par la suite. Parce que moi, je ne vais pas laisser. C'est dans cette maison. Vous êtes devenu star, ici où je suis là, c'est pas ailleurs. Et pas plus, si j'ouvre ma bouche pour parler, vous voulez faire plaisir à vos stars, quand ils veulent, vos frères, ils veulent commencer à parler ici, vous allez vous cacher toutes. Donc j'ai pas envie de parler. Ne me poussez même pas à parler. Quand vous voulez vous faire voir devant les gens, il faut vous limiter sur vos visibilités. Celui qui se frotte à moi, je le mets à nu. Et je dis que j'ai la politique de mes réponses. La prison, c'est le point de part. J'ai la politique de mes réponses. Ah, ça. Et tu foutes à moi. Et tu me mets à nu. Oh non, non, non. Merci. Je me garde encore. Je me mets encore sous réserve. Moi, je cherche toujours la paix. Je ne cherche pas la guerre. Et celui qui vit avec moi en guerre, il faut que ce soit celui qui ait les âmes pour pouvoir me combattre. Moi, j'en ai les âmes. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup d'âmes. Et indestructible. Les âmes que je ne veux pas gâcher la vie des gens. Vous avez vos couples. Ne faut pas que mes âmes détruisent les couples des gens et demandent que je suis un mauvais garçon. Bah, oh. Je vous ai dit ici. Il y a eu une histoire. Elle est passée. On fait table rose. Table rase, d'autant pour moi. Si vous continuez, je vais toujours. Je vais vous sortir, je vais sortir. Je ne vais pas me cacher. Vous sortez, je sors. Vous sortez, je sors. Et jusqu'à où ça va nous jusqu'à là où ça va nous mener. Et on saura qui dit la vérité ou qui ment. Les gens me traitent de mentir parce que je veux rester tranquille. Quand ça va être au-delà, je vais les donner ce qu'ils veulent. Et ils sauront que je ne suis pas un menteur. À bon entendeur, salut. J'ai encore dit ça aujourd'hui qu'à bon entendeur, salut. J'attends toujours. J'attends. Parce qu'il y a eu rien de méchant, je dis. J'attends de t'entendre ce qu'il va entendre là. Quand je vais entendre ça, ils vont baisser pour moi. Pour le moment. Donc, à tous et à toutes, je m'excuse si j'ai parlé dans les langues de la colère. C'est parce qu'il y a des gens qui envoient des commentaires un peu méchants à mon égard, qui ne me connaissent même pas. Donc, vous m'excusez pour mon langage si ça blesse certaines personnes ici. Et pour celles ou ceux qui pensent que je suis venu ici afficher qui ce soit, je n'affiche personne. J'ai toujours dit, il y a eu une bavure la dernière fois à l'émission. Une chroniqueuse m'a posé une question délicate, n'étant pas un homme des médias, parce que comme je suis là, je ne suis pas un blogueur, j'ai répondu sur le tas, et ça a chamboulé sur la toile. J'ai essayé de trouver un compromis pour pallier à ça. Et personne n'a voulu me comprendre. Comme les gens aiment la notoriété de Facebook, les honneurs, et il y avait des gens qui tiraient derrière, qui leur disent derrière, oui, ne laisse pas faire comme ça. Exactement. Ils ont essayé même de... S'il vous plaît, je n'allais qu'au sein de l'instance sous-régionale. Même s'il y a 10 plaintes, je n'ai pas peur des plaintes. La plainte de quoi? C'est quel motif? Vous allez écrire quoi? Vous savez rédiger les plaintes? Vous allez savoir rédiger une plainte pour avoir 10 plaintes. Elles sont les rédiger une plainte au hasard. Vous allez raconter votre truc là-bas. Parce que la vidéo a géré ça. Quand vous parlez, j'ai ça. Quand vous dites aujourd'hui, la vidéo a géré ça. Je ne vais pas effacer, j'ai ça. Donc, quand vous partez pour tes peines, il faut être sûr que vous avez raison. Je ne parle pas derrière, j'ai ça. Voilà. Comme j'avais dit, comme elle croyait que j'avais détruit là, j'ai encore ça dans ma boîte, j'ai ça dans mes boîtes mail. Je le dis haut et fort. Mais je ne mets pas. Je ne publierai jamais cette personne. Vous êtes sans ignorer, c'est qu'en 2017, étant au Cameroun, quand on a publié cette personne, moi étant marié, j'ai pris le risque
J'ai sacrifié ma vie, mon mariage, j'ai sacrifié tout, même mes papiers, pour la soutenir sur la toile, sur les années de cette femme-là qui l'avait publiée. Personne n'a pas vu ça. J'ai mis ma vie en danger. J'étais au Cameroun et on pouvait même me bloquer là-bas. J'étais marié, j'ai sacrifié mes papiers, mon avenir, mon mariage, ma famille, pour la soutenir. Aujourd'hui, c'est vous qui venez me dire ici qu'on a dénigré quelqu'un, quelqu'un est soutenu en 2017. Allez revoir ma vidéo. Allez revoir ma vidéo de 2017. Allez la revoir ma vidéo de 2017, ce que je dis. J'ai soutenu cette personne. J'ai sacrifié mon mariage, ma vie, mes papiers, j'ai sacrifié, j'ai tout sacrifié. C'est que personne ne peut sacrifier encore les papiers. J'ai sacrifié mes papiers pour soutenir cette personne qui aujourd'hui ouvre la bouche pour oser dire que j'ai dénigré, j'ai menti. Mais dis donc, vraiment, l'homme camerounais est méchant. Excusez-moi de le dire, mes frères et sœurs. C'est pas de vous que je parle de quelqu'un que d'hier. Tu as sacrifié ta vie pour soutenir. Tu as comme ma vidéo, si quelqu'un peut me ressortir la vidéo de 2017 là. Où je suis venu me mettre sur la toile. Pour sacrifier. Ah, j'aime trop le tipsy. J'aime trop le tipsy. Ça veut dire que le charisme de ça. Hein? Quand parle, tu restes là pour écouter. Mettez les cœurs pour pas haut. Regardez comment je joue. Eh, maman, les gens ne sont pas gentils. Je lis quelque part, là, vous dites que quoi? Que ma foufou a eu quoi? J'ai aussi une petite vidéo que ma foufou avait fait sur pas haut. J'avais gardé ça. J'avais gardé ça. Mais bon. Chanel, ça veut monter. Ça va déranger un peu. Je vois un peu ce qu'elle veut dire. Je vais vous faire écouter aussi la vidéo de ma foufou quand elle est en train de parler de Pao et ce qui s'était passé quand elle et Pao, elles avaient des rapports sexuels et ce qui s'est passé après. Moi, j'ai tout. Vous allez écouter. Bienvenue, Chanessa. Je voulais juste te dire que dis bonsoir à tonton O, je l'ai bipé. Il est entré dans ton direct tout à l'heure. Je m'en vais. Bye bye. Eh, hey, les cœurs de ça, oh, les cœurs de ça pour notre tonton, les cœurs de ça pour notre tonton, pas, oh, je te salue. J'étais dans la voiture avec ma famille, elle dit qu'elle ne peut pas rater ça, elle veut enregistrer pour que tout le monde voit. Parce que Pipi croit qu'elle est wise. Pas, oh, garde la vidéo, là, au frère, si tu ne peux pas m'aimer, tu me donnes, je vais partager. Pas, oh, le papa, parce que la veuve avait parlé de toi, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu avais même eu la vidéo. J'ai ça ici. Je vais jouer. Tu vas entendre. Elle disait comment tu avais enregistré aussi quand tu avais bouilli avec elle. Eh, pas oh, tes yeux me font rêver. Sauf que je suis déjà une femme mariée avec beaucoup d'enfants. Bienvenue, notre tonton. On te soutient. Oh, j'ai dit qu'on serait même là-bas au tribunal. On va arrêter les plancards. Ah, oh, tonton, tamo. Je respecte la vie, je respecte vos femmes, vous aimez. Je respecte les hommes, vos maris, je respecte tout le monde. Je me garde encore, ne dis pas que ce soit. Et je dis, souvenez-vous de 2017. C'est le 29 décembre 2017 où j'ai fait la vidéo, j'étais au Cameroun. Souvenez-vous de cette vidéo. Allez la revoir. Ceux qui aujourd'hui ont le topé de venir m'insulter, soi-disant. Vous venez m'insulter aujourd'hui, vous avez dénigré une femme. Vous qui m'insultez aujourd'hui, je vous renvoie en 2017. Repartez en 2017 dans ma vidéo 2017. Je demande, il y a les gens qui n'ont pas vu la vidéo de 2017, parce que j'ai la vidéo de 2017, si vous voulez voir un peu ce que Pao avait dit. Moi, j'ai les archives, je garde seulement comme ça parce que j'aime. Il y a les gens qui n'avaient pas vu la vidéo de 2017. J'attends un peu les réponses avant de continuer. Si vous avez vu la vidéo de 2017, là ou pas, ou même avait mis en danger sa relation, oui, parce que là, il était en train de parler de sa femme et c'est celle-là même qui devait le chaotiser. Donc, il a décidé même de supporter Tonta Lolo sans regarder derrière. Aujourd'hui, c'est celle-là même, ingrate de sa personne, qui a envie de partir déranger la vie de Pao.
Maman, si on t'avait attaché, accepte que tu as été attaché. Tu laisses comme ça. On passe dessus, on parle d'autre chose. Tu peux pas revenir sur la même histoire chaque jour. Ça devient encore ennuyeux même à la fin. Hey. Pao t'a séduit dans une danse avec sa sœur Aïcha. Ah, mais les deux, là, vraiment, ils forment vraiment leur amitié, ou c'est les frères et les sœurs, là, vraiment, ça chauffe. Ça fait mal aux yeux de pipi. Bonsoir, Diez Gaillard. Je comprends pourquoi Pipi meurt sur le... Ah oui, c'est ta femme. Qu'elle a effacé. Ben, elle a fait le direct là ici. Bon. Je vais un peu mettre une pause là. Il dit que Bolingo a parlé de lui. C'est vrai que Bolingo avait parlé de lui. Oui. Bolingo. Vous avez bien parlé de lui et je vais vous faire. Choupinette. Choupinette, tu dis que tu es femme mariée, tu as une fille de famille, ta vie sur Facebook. Tu n'as pas honte, Choupinette. Occupe-toi de tes oignons. Tu es derrière les choses des gens pour faire quoi? Pardon. Pardon, passé. C'est ma vie ici. Oui. Bolingo avait parlé de lui. On va entendre ce que Bolingo avait dit. Vous êtes prêtes? Avant de continuer le reste du direct de Pao, on écoute un peu. Il dit que Ma Pépé avait parlé de lui. Bolingo avait parlé de lui. Et c'est vrai? Ça.
Sinon j'arrête. Hey. N'entendez pas. Les gens qui sont en train de rire n'entendent pas. Donc, vous n'avez pas entendu. Attends, je repars alors. Comment elle s'appelle encore? Chérie, tu entends maintenant? Maman, ton nom même là. Chérie, Minette, chérie, tu entends maintenant? Tu me dis, sinon j'essaie encore d'arranger. Hein. Fais-moi signe si tu entends. Parce que tu es la seule personne qui a dit que... Bon, tu as dit que tu n'entends pas. Il y a, je crois, deux personnes qui ont liké ton commentaire. Donc, si vous n'entendez pas, faites-moi signe. Comme ça, je remets. Tu entends maintenant? Oui. Oui, quoi? Je sais que j'ai vu une vidéo, c'est moi. Il a dit
Oui, c'est mon pays d'accueil. Oui, c'est toi-même. Moi, je ne suis pas à l'origine de ça. Tu sais pas qui est à l'origine, non? Mais pas le nom. Hé! Hé! Mania! Moi, tu ne sors qu'à pas la voix. Tu n'as même pas encore de sa bande de ma soeur là. Tu finis avec. C'est pas ce que vous voulez. Mouillé, c'est mouillé, ça. Tu finis avec. Tu es là. Bon, je laisse alors. Celui-là, vous avez quand même entendu un peu. Je voulais juste vous faire savoir qu'entre-temps, Fufu aussi, ça part avec Pao, parce que Pao, là, il était en train de parler du fait que le son n'est pas bon. Bon, je laisse tomber, alors, je ne sais pas pourquoi. Mais le son de Pao est bon, alors. Si le son de Mafufu n'est pas bon, j'espère que le son de Pao est bon. Vous n'êtes pas plein du son de Pao. Donc, on continue. Je voulais juste vous faire comprendre qu'elle dit que son clito était sorti et que Pao avait aussi filmé ça et que la vidéo de Pipi était dans la même clé. Donc, à cause de Pao, elle n'aime plus le kebab et les choses comme ça. Donc, quand Pao a dit que beaucoup de gens ont parlé de lui, ma père, donc, je voulais un peu vous faire comprendre, mais on continue ici maintenant. On termine avec Pao. Je ne veux pas, parce que ceux qui font une vidéo sur ma page, moi je le bloque. Vous ne voulez pas essayer d'insulter les gens, pardon. Mais si je vous en prie, je vous demande pardon, n'insultez pas les gens sur ma page. Laissez-les m'insulter. Mais n'insultez pas les gens sur ma page. La vérité, vous la connaîtrez. Comme c'est une vieille de Facebook, comme c'est une histoire de Facebook, de guerre de Facebook, on n'est pas moi les femmes. Je n'ai pas de comment on appelle ça? Je ne suis pas un blogueur. Mais je vais répondre. Je n'ai pas de manière pas envoyé à quelqu'un pour répondre pour moi. Moi-même, je vais répondre. Quand on a commencé en 2017 à répondre, quand on l'a publié, je vais répondre ça maintenant. Je vais répondre. Je ne tiens sur personne. Moi, je veux répondre. À chaque fois qu'on va sortir, ou que ce soit indexé, que ce soit pas mon nom, ou pas mes actes, ou pas mes mots, ou pas mon action, ou je reconnais que c'est de moi qu'on parle, je vais répondre. Parce que quand j'ai mis ma publication, je vais prononcer le nom de personne. Je vais indexer personne dans ma publication. Tu m'as dit, elle a parlé de moi. Vous nous voyez parler de moi. Nathalie Monaco, tout le monde a parlé de moi. Pourquoi se penser que si j'ai mis un pouce, je ne me laisse pas tuer vraiment quelqu'un? Je ne sais pas si quand vous étiez à l'école, je ne sais pas si vous réfléchissez. Si j'ai mis un pouce, comment vous pouvez indexer? Pourquoi comment vous imaginez que pas tuer vraiment je me laisse à quelqu'un? Vous me dites qu'il y a un fils du Tumatou. Je n'ai pas bien un fils du Tumatou. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un dans mon pouce. Si vous avez pris mon pouce, vous êtes allé. Le décrypter à votre façon pour aller à comment on dit, on dit qu'on a voulu capturer l'écran. C'est un capture l'écran. Vous avez les faux profils. Vous êtes sur ma page, je vous vois. C'est un capture l'écran, vous tout ça. Je sais que tu es dans mon direct. Je sais que tu es dans mon direct. Toi à qui je m'adresse. C'est un capture l'écran. Je sais que tu es dans mon direct de part où. Je vous dis encore. J'ai mis mon poste. Je n'ai rien indexé personne. Moi, je n'ai pas le faux profil. Ça, c'est mon poste. Je n'ai pas le faux profil. Je n'ai indexé personne. Vous êtes allé, comment dirais-je, capturer pour m'envoyer, pour m'envoyer décrypter mon poste, dans lequel je n'ai indiqué aucun nom. Je n'ai indiqué aucun nom. Vous allez capturer mon poste, vous n'avez indiqué aucun nom. Vous avez dit que je vais m'adresser à 15 tierce personne. Je ne connais même pas si c'est le site. Pour moi, ces personnes n'existent même plus. Quand on dit tantôt que c'est moi qui fais quoi, je n'ai pas envie de parler, hein. Parce que j'ai un peu dit que c'est moi qui sais les amitiés. Je ne sais d'amitié de personne. Alors il y a bloqué les petits depuis. Les gens amitiés, j'ai témoin et témoin. J'avais témoin. Je dis encore bien. Et je me reproduis. Et pas les mots, je me répète. S'il vous plaît, pas pour moi. J'ai pas d'amitié avec moi. Personne ne paye mon loyer. Il me donne à manger. Il me donne à habiller. Vous ne me réussissez pas. Personne. En dehors de Dieu et ma famille, personne. Donc je dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me concerne, je vais répondre. Je vais répondre. Et je dis à ma soeur Aïcha, plus de messages, tu vois, ignore-les. Parce qu'ils disent que j'ai comme besoin qu'ils disent qu'ils sont des stars. Tu es une star de la télé. Tu n'es pas une star de Facebook où il faut enlever une tête pour te voir. Toi, je suis la télé qu'on te voit tout le monde entier. Évite que les gens qui ne sont rien viennent te parler parce qu'aujourd'hui, ils ont.
président. Je suis gigolo. Parce que je dois avoir des primes de son argent. Tu donnes, je prends.
Parce que j'ai des efforts. Je dois me raser, je dois acheter des parfums, je dois me vêtir, je dois savoir pouvoir t'accompagner. Tu serais avec toi, je dois te mettre en l'air. Donc tu me payes, tu prends. C'est du travail. Voilà. C'est du travail et c'est rémunéré. C'est pas gratuit. Donc si quelqu'un est gigolo, c'est encore même lui donner beaucoup d'aide. Parce que ça veut dire qu'il est quelqu'un de bien. Parce qu'on ne parle à un fou. On ne parle à quelqu'un qui sent mauvais. On ne parle à quelqu'un qui est sale. On ne parle à un qui n'est pas présentable. Donc attention, quand tu sais qu'il est gigolo, il faut savoir dire qu'il est gigolo, c'est quelqu'un qui a un charisme. C'est un charisme, premièrement. Donc merci si vous me le dites pour moi. Voilà. Ok. Et quand ils diront pédé, je vais lui dire que c'est mon cul. Si on le paie, c'est à moi. Je fais ça ce que je veux. Je ne suis pas un chien, je peux le dire à quelqu'un. Donc toi, qu'on m'a dit, c'est une clé. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Donc, à dimanche 21h, ce sera le direct où je serai un peu apaisé. Parce que je suis au travail, je suis un peu nerveux. Je suis entendu avec le travail, la fatigue. Je suis un peu nerveux. Dimanche, je me suis reposé aujourd'hui, je me suis reposé demain. Je serai apaisé et dimanche, je vais vous répondre pas à pas. J'ai tout écrit. Mot par mot, phrase par phrase, je vais décrypter cette vidéo-là et je vais vous répondre à cette vidéo maintenant. Merci à vous et bonsoir, j'ai besoin de là. Ok, ça finit même de... Le décryptage, c'est pour dimanche. Merci Larissa Nga pour les étoiles. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Maintenant, vous avez écouté la vidéo de Pao. Vous avez écouté ce qui se passe. Je vous ai fait écouter d'abord la vidéo de Lolo. Comme ça, vous pouvez un peu cerner, un peu avoir une idée de tout ce qui se passe. Maintenant, vous connaissez. Ah, El Sabil Sultana. Merci, Drusilhe, des États-Unis pour les étoiles. Merci beaucoup pour le support. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui veut monter. Et peut-être discuter un peu. Maman, tout le monde demande la page de pas ou la page. Maman, les étoiles, merci. Maman, elle dit que j'ai enregistré ça, j'étais en route dans la voiture. Pipi est en direct dans la pile qu'elle attachait en direct, elle a directement coupé en criant. Elle n'a pas encore crié. Les gens qui sont en train de l'induire en erreur, là, maman. Kappa, on dit qu'il a tout. Dans le décryptage, c'est pour dimanche. Un peu un païa que je rate. Zéro faute, 21. Même si c'était minuit, je devais être assise au premier banc, au premier rang. Donc, je sais que nous sommes, c'est vendredi soir, les gens sont fatigués, d'autres sont en train de sortir et d'autres vont travailler demain. Donc je sais pas, elle a fait combien d'heures de direct? 1 heure, je suis sûre. 1h30, je crois que c'est une bonne heure. S'il y a personne qui a un mot à dire, un truc à ajouter, je crois on va arrêter le direct, je crois bien. Bon, c'est quand même bien fait pour Pipi, hein. Moi, je supporte pas, ou je suis sûre que beaucoup de gens supportent pas. Oh. Ina, tu as changé la photo de profil. Hey, la belle Ina Ishata. Elle a changé sa photo de profil. Belle comme tout. Donc, moi, je dis c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour sa gueule. Et si elle continue, elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'à entendre pas, il n'est pas prêt à lâcher. Et moi, je dis, va de l'avant. Si tu as été attaché, si tu es une femme, si tu te sens vraiment gênée, la première des choses, ce n'est pas pour courir. En plus de ça, quand toi-même, tu avais déjà dit que oui, j'ai été attachée, tu as accepté devant tout le monde parce que je voulais pas partir au restaurant. Ça, c'est vraiment une raison bidon, une raison, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et comme elle voulait faire son coming back, elle s'est dit, bon, je vais essayer un peu avec l'histoire de l'attachement. Je vais pas parler de ça, mais je vais un peu effrayer le monsieur comme quoi je vais porter plainte. Parce que même si tu retires ta plainte maintenant, elle s'est partie. Pas où elle dit que si tu retires ta plainte, il va déposer x10. Donc, c'est mieux de partir jusqu'au bout. Et comme nous, alors, les gens de Facebook, le Congo, ça, c'est notre passion. Le Japon, nous, on vit de ça. On est assis au premier banc, on est en train d'attendre. Si tu ne peux pas te calmer, ce qui va t'arriver là va te calmer. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas gagner. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas gagner, Pipi, parce que tu as fait trop des erreurs. Le problème avec toi, c'est que tu bavardes trop.
Tu bavardes tellement, même quand tu te dis que je ne bavarde pas, même quand tu te dis que je n'ai pas fait les directs pendant 2 mois, tu as parlé jusqu'à ce qu'on enregistre, ça peut remplir tout un disque dur. Tu as parlé, on parle au jour où tu parlais là-bas avec Bapu. Tu as parlé jusqu'à ce que Bapu t'était même bien parti depuis. Tu dis allô, allô, je suis seule ici, j'ai eu pitié de toi. Pourtant, tu te dis la cheftaine. Mais c'est toi qui es plutôt la suiveuse là-bas. Tu crois que les gens ne te voient pas. Ils t'ont bien cerné, mais ils t'utilisent seulement. Et toi, tu te dis que c'est toi qui utilises les gens. Non, non, non. Tu as voulu faire ça avec la veuve. Elle t'a dit stop. Toi, tu savais que la veuve avait déjà eu quelque chose à voir avec Pao. Tu es toujours encore. Tu as foncé toujours pour partir encore goûter. Et pourtant, vous vous dites, les amis, est-ce que moi, je peux entendre que mon ami a déjà goûté à un bandit, je pars encore? Je dis jamais. Ça peut pas avoir le goût. Même si la personne est fort, fesse comment, même si les fasses comment, ça ne peut même plus avoir le goût. Seulement l'idée là de savoir que la personne s'y était déjà passée, c'est ça. Le goût fini, non. Toi, tu fais comment que tu attends que ma foufou des temps modernes, est passée sur un bandit. Tu pars encore, tu t'accroches encore, tu pars haut jusqu'à ce que tu tombes amoureuse. Tu laisses ton foyer. Hey, maman. Pardon, ne me laissez pas parler longtemps. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ont suivi, merci d'avoir été avec moi. Donc, je vais remercier tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Oui. Remercier tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Sitamata, Chanessa, Larissa Nga, Prestige, la classe. Je dis comme ça, la maman des jumeaux. Qu'est-ce que tu venais de dire, Drusil Herr? Oui. Je remercie comme ça mon frère de métis FDL. Comme personne ne veut monter, vous voulez seulement me regarder, vous voulez seulement m'écouter parler. Je sais bien que parfois je suis intéressante. Le problème aussi avec moi, c'est que parfois, si je reste ici, je risque de virer dans quelque chose d'autre. Parce que comme je suis assise comme ça, j'ai tellement les choses dans ma tête, je risque de virer et commencer à parler d'autres choses. Et on va quitter d'ici à 3 h du matin. Donc, c'est mieux que vous commencez à mettre vos bonnes nuits. La veuve, lui, a dit que le gars a 60 cm. Elle a couru, maman. Avec toute la route que l'Angala a fait, elle a commencé du pays. Elle a commencé à bouillir là-bas. Le Gabon. Elle a bouilli là-bas jusqu'à elle habitait avec un gars que non, je ne vais pas sortir avec les blancs qui me draguent. Elle a fait là-bas. Ou la Côte d'Ivoire. Elle dit que l'Angala n'a pas fait qu'un pays. Le grand Bosa de ça. Elle a fait le grand Bosa de ça. Elle a croisé les bandits en route. Je dis que. Elle a croisé les bandits en route. Je dis que les longues lettres, si. Je ne sais pas si Péril le lion est encore dans ce direct. Hé, hey, maman. Merci pour les cœurs. Hé, hey, maman, oh, j'ai pincé. J'ai pincé. J'ai pesé. Alors, les cœurs pour notre grand. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs, pardon, les cœurs. Envoyez les cœurs pour moi et pour mon invité. Le grand Otam, ma personne personnelle. Bonsoir, mon grand. Et ça ne passe pas. Allô? Ouais. Entendez? Allô? Oh! Ouais. La connexion s'y fait comment? Comme ça. Ouais, mon gars, on voit encore. Ta connexion a coupé. La connexion a coupé. C'est génial, je vais très bien. Je vais très bien, merci. Il a ta photo là, vraiment, c'est la pâte. Hein. J'essaye de voir encore si je peux avoir autant. Un instant. C'est en train d'ajouter. Ajout en cours.
Un jour en couple. Maman, les étoiles de ça, j'ai dit qu'elle est devenue millionnaire sur Facebook. Je suis devenue millionnaire sur Facebook. Ouais, pourquoi ça prend du temps comme ça? Ça n'a pas pris. Ouais, notre grand. L'eau est notre personne. Pardon, reviens encore. Pardon, reviens encore. C'est toi qu'on attend comme ça pour clôturer. Parce que la façon dont je vais faire la publicité de ton direct du dimanche, là, sur toutes mes pages. Ouais, pourquoi la connexion s'y fait comme ça et... Connexion, laisse mon grave revenir au... Hé, hey, maman. C'est quand le direct veut dire être sucré comme ça. Oh, vraiment, vraiment. Bon, je crois pas que... comment je vais faire? Je vais terminer le direct en disant que c'est vrai que Pipi a eu beaucoup de... Ok. C'est vrai que je vais d'abord enlever celui-là. Je vais partir te voir. Tu peux faire comme ça que tu connais mon nom, que tu as changé ton nom sur Facebook. C'est vrai que... C'est vrai que Pipi a fait des choses sur Facebook. Elle a ses problèmes avec Pao. Hmm? Pao, sors un peu du direct, tu reviens. Sors du direct, tu reviens, s'il te plaît. Je vais voir s'il est encore là. Peut-être qu'il n'est même plus là. Il est là, mais bon. Je ne crois pas que ça va encore prendre. Ouais, les gars, en espérant qu'il prend cette fois-ci. Oui, c'est passé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir là en direct. Bon, écoute, je veux juste deux choses. D'accord. Juste, je veux paraffer l'histoire de Bolico, parce qu'elle et moi, on n'est jamais sortis ensemble. Ah, oh, c'est bien ouais. Vraiment de mettre les points sur les i. Voilà, ah, d'accord. Il y a deux poids, deux mesures là-dessus. On se retrouve comme ça dans les alcools, elle a dû me retrouver chez elle. Et elle a voulu que ça se passe, je n'ai pas voulu, je me suis arrêté là. Et elle s'est énervée, qu'elle avait appelé la police, je suis parti chez elle à 4 heures du matin. Et heureusement que ce jour, j'avais mon téléphone, je l'ai enregistré. Et j'ai juste, elle le sait, c'était vocal, c'était pas vidéo. C'était pour me protéger. Ça n'avait rien à voir avec un enregistrement quelconque. Parce que quand elle monte sur l'étoile pour raconter leur histoire, on se tait. C'est pas qu'on a peur d'elle. C'est juste qu'on évite de parler aux femmes. D'accord. Voilà. Si je suis venu répondre à certaines choses aujourd'hui, parce qu'il y en a marre, comme on dit souvent. Parce que j'ai comme l'impression que quand on se tait, c'est comme si c'était une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est qu'on respecte les personnes qui sont en face de nous. Non, mais nous, on a compris que tu as beaucoup de choses et que tu as pu respecter. Quand tu parlais comme tu as parlé, c'était ta vie et tu voulais partager avec nous. Voilà. Ce qui me blesse, pour les autres, j'ai jamais répondu à tout le monde, que ce soit Flore, Pepetu, Boulingo, j'ai jamais répondu à personne. Si j'ai répondu à cette dernière, c'est parce que je me rends compte que quelqu'un pour qui j'ai sacrifié ma vie se permet aujourd'hui de me jeter à l'avenir populaire. Oui, mais ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. C'est cette partie-là qui me touche le plus. C'est pour ça que je ne peux pas la lâcher. Je dis, à chaque fois, je veux sortir pour elle. Je ne vais pas la lâcher parce que j'ai mis ma vie en péril pour cette fille. Avec preuve à l'appui en 2017. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mes papiers, même si je me suis battu d'une manière pour pouvoir les récupérer, j'ai perdu mon mariage, j'ai tout perdu pour elle. J'ai accepté de perdre pour elle. Il n'y a personne en France, homme comme garçon, homme femme, qui accepterait de perdre ses papiers pour quelqu'un. Personne ne peut le faire. J'ai dit, tu as vraiment bien fait, tu es homme. Je les ai perdus parce que j'ai refusé qu'on publie quelqu'un. Quand je vois des gens se permettre de m'insulter moi sans savoir ce que je vais faire pour cette personne,
J'ai dit, c'est écœurant. À un moment donné, j'ai les larmes aux yeux parce que on ne peut pas tout raconter sur Facebook. On a des vies privées, on les garde. Même moment donné, il faut dire, il y a un moment donné, on dit stop parce qu'on en a marre. Oui. Tout le monde aurait pu, tout le monde aurait pu nous faire quoi que ce soit, mais pas cette vidéo pour ce que j'ai fait pour elle. C'est ça qui me fait mal le plus. Parce que quand je regarde, quand je retourne 7 ans en arrière, je me rends compte que j'avais fait une bêtise. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais je l'ai fait. Parce que à cette époque-là, c'était nécessaire. Même si le regret il vient après, c'était nécessaire. Mmh. Mais aujourd'hui, quand je vois cette personne, parce que moi je me dis, en fait, moi je dis, c'est des personnes qu'on manipule. Je pense qu'ils sont manipulés. Parce que mais je le crois aussi, hein. Tu peux te taire pendant 2 mois et ressortir après 2 mois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui t'expliquent à le faire. Mais pas, oh, elle ne s'est pas tue. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Elle ne s'est pas tue. Elle était dans tous les directs dans le noir. Oui, ça c'était autre chose. Être dans un direct dans un noir que tu n'as pas provoqué, c'est autre chose. Comme je suis dans le tien maintenant, ce n'est pas mon direct, c'est le tien. Mmh. Ça n'a rien à voir. J'interviens juste pour clarifier certaines choses. Moi, ma colère, ce n'est pas que. Moi, je n'ai rien à regretter. Je me dis toujours ça. Moi, je suis prêt. Même si c'est la prison, je suis prêt. Ce n'est pas les animaux qui sont en prison, c'est les hommes qui sont en prison. Et ils entrent, ils en sont. J'ai dit une chose, c'est que quand on dit stop à quelque chose, cette histoire est arrivée. Cette histoire est arrivée. Elle est bonne à échanger en voice. Elle a pris mes voix, elle a publié sur Facebook. Elle a envoyé ça à la fille là, de l'Amazon. C'est là-bas que j'avais coupé. Elle a envoyé des voix qu'elle a coupées. Maintenant, j'ai les voix originaux dans mon téléphone aussi. Ça veut dire que moi. Et tu ne m'envoies pas ça. Moi, je ne ferai jamais une chose pareille, publier quelqu'un, que ce soit en voice ou en vidéo. Jamais je ne vais faire ça. Ce n'est pas dans mon habitude. Je n'ai pas cette éducation là. Je réponds directement là, personnellement. Je ne me ferai jamais ça. Si j'avais fait ça, c'est depuis des années que les gens m'écrivent une mort tous les jours. Hein. J'ai pas besoin de ça. Moi, je veux répondre. Moi, c'est une affaire qui me concerne personnellement. Je réponds à la personne. Je n'ai pas besoin de passer par des gens ou d'utiliser qui ce soit. Je réponds de vive voix. Laisse-moi être même la personne qui porte ton sac sur Facebook. Je dis, ma chérie, excuse-moi. Peux pas porter mon sac. Mon sac ne pèse pas. Il est encore vide. Ok. Ça veut dire que je peux le traîner jusqu'à mes 90 ans. Ça va pas me déranger. Mais je peux pas le faire. Je veux pas mêler les gens à ça. Je vais le faire moi-même. Je veux pas, parce que si je mêle les gens, c'est comme si je me cachais, comme si j'avais peur. Je veux le faire moi-même. À chaque fois, on dit comportement de mouton, réaction de berger. À chaque fois que ça va sortir, sans même prononcer mon nom, même en m'indexant, je veux sortir une réponse. J'ai dit ça depuis le début. Et je l'ai dit au départ. J'ai dit, je deviendrai blogueur pour toi. Mais je ne veux pas être blogueur, mais je veux répondre à elle. La seule personne qui veut répondre sur la question à toi, sera elle. Parce que je me suis. Tu sais, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai sacrifié ma vie pour elle. Pour la protéger. Pour la soutenir, j'ai sacrifié ma vie. C'était aucune personne qui l'a manipulée aujourd'hui ne peut le faire pour elle. Aucune personne ne peut faire ça pour elle. Allez, je dis, j'interpelle les gens. Parce que les gens sont arrivés sur Facebook. Aujourd'hui. Retournez en 2017. Allez voir ma vidéo de 2017. Ce qui s'est passé. Je suis parti de Paris, je suis allé au Cameroun. J'ai fait un mois au Cameroun. À 2 jours avant mon retour, ce que j'ai fait de vidéo. Quand je suis arrivé à Paris, à Roissy, quand je suis arrivé à Paris, c'est à Charles de Gaulle, je me suis retrouvé au commissariat de la Couronne. J'étais en garde à vue parce qu'on m'avait porté plainte par rapport à cette histoire-là. Je suis parti. Vous dites, j'étais en garde à vue. Vous allez à la Couronne. Elle sait. J'étais au commissariat de la Couronne en garde à vue pour cette histoire-là. Je suis sorti de la garde à vue 4 heures après. L'affaire allait au tribunal. Après, on a classé le dossier parce que je me suis défendu comme tu dois. Elle sait, tout ça, elle le sait. Tout ça, elle le sait. Mais malgré ça, elle a eu le toupet d'écouter les gens qui lui disent ne laisse pas. Ces gens-là n'ont pas regardé qu'en 2017, même s'ils avaient fait n'importe quoi. Ce qui s'est passé sur la chaîne TV, c'était une bavure. J'ai répondu à une question. C'est vrai que c'était une question maladroite, mais il a quand même répondu. C'était une bavure. Ce n'est pas d'elle qu'on parlait sur l'émission. Allez revoir l'émission. Il n'y a rien de méchant. Rien de méchant. Je ne pense pas que tu avais planifié ça. Hein. C'est juste sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Il n'y avait rien de méchant dans ce que j'ai dit. Mais je ne comprends pas comment est-ce que c'est. Ce n'est que cette petite partie qui a intéressé les Camerounais.
Et qu'elle a pris ça comme c'était un problème particulier. Alors que quelqu'un, moi j'ai dit encore, j'aurais été moi, intelligemment, le même jour, je faisais une sortie, je parlais de ça et ça s'arrêtait là. Elle a fait comme si elle était tellement affectée. Ça peut juste m'insulte. Mais ça peut juste m'insulte. Est-ce que, je ne sais pas comment les gens, si les gens réfléchissent même. Quand je regarde même la personne qui m'insulte. La partie qui m'a plus fait mal, c'est quand elle a insulté l'enfant de Gaïta. Oh. Mais regarde-moi, je l'ai vu, quelqu'un que je vois, elle ne voit rien, elle insulte Aïcha. Mais c'est pas possible. Le monde va à l'envers, là. On est où, là? Non, on est pas où? Libère-toi. On est où? Mais il faut que ça s'arrête. Moi, je ne demande pas la guerre. J'ai dit, je ne cherche pas les problèmes. Je ne demande pas la guerre. Je ne veux pas aller à la fond avec plus de toi. Ce que je demande, je dis, cette histoire est arrivée. Elle date de 2 mois. On devait faire table rase et passer là-dessus. La mort du dépens de Zoé est venue un peu prendre le dessus. On aurait dû oublier cette histoire. Les gens l'excitent et la ramènent sur la toile. Mais attendez, si quelqu'un t'a porté plainte, il reste tranquille, il attend la procédure. Elle est en cours. Tu n'as pas venir rappeler que tu as porté plainte. Qui a peur de plainte? Est-ce que porter plainte, c'est gagner un procès? Non. Porter plainte, pas du tout. Porter plainte, c'est pas gagner un procès. Tu peux porter plainte à quelqu'un et avoir même raison, tu perds le procès. Est-ce qu'ils le savent? Juste pour un petit vice de procédure. Est-ce qu'ils le savent? Je dis encore, je réitère. Je vais raconter une histoire qui me concerne. Si une vidéo existe, ça veut dire que je suis participant dans la vidéo. Ça veut dire que c'est l'histoire qui me concerne. Il faut déjà savoir quel est le motif de la plainte qu'on va porter. Parce que je raconte mon histoire. Ça veut dire que la plainte n'a pas d'effet. C'est mon histoire, je parle de moi. Parce que la question qui m'est posée m'appartient. On dit j'ai fait telle chose. C'est à moi qu'on parle. C'est moi l'action. C'est ce qu'ils savent, ce qu'ils disent. En allant au tribunal, il faut savoir ce qu'on dit. Quand on vous demande que, est-ce que tu as tué, tu dis que tu as tué. C'est moi l'auteur de ce qu'on, de la question qui m'est posée. Ça me concerne directement. Ça veut dire qu'on ne peut pas me porter plainte sur ce qui me concerne. C'est impossible. Non. Parce que les gens disent qu'elle va porter plainte. J'ai comme l'impression qu'il n'était pas à l'école. Parce que, en plus, toi, tu as les preuves. Hein? Mais je dis encore bien ceci. La personne à qui on porte plainte, c'est moi. Le concerné qu'on dit qui doit être dans la vidéo, c'est moi. La qui on porte plainte, pourquoi? Alors, il faudrait que les gens sachent ce qu'ils sont en train de dire. Ce que je n'ai pas attaché, c'est de moi qu'on parle. C'est moi qui mène l'action et c'est à moi qu'on pose la question. Donc, la plainte n'a été nulle et sans effet. Parce que c'est moi le concerné. Je suis l'acteur en même temps dans l'histoire. Donc, avant d'aller porter plainte, il faut savoir quel motif tu mettras devant et comment rédiger ta plainte. Ça, voilà d'où est le problème. Parce que c'est facile de dire aux gens sur Facebook qu'on a porté plainte. Hein. Tout le monde peut venir dire ça sur Facebook. Mais il faut savoir de quel genre de plainte tu vas aller porter. Surtout quand tu portes plainte à l'auteur de l'action. Je suis pas son enfant, je ne suis pas un mineur. On va dire qu'on m'a trompé pour que c'est mon action à moi. Donc je suis libre de raconter comme de ne pas raconter. Je ne sais pas, sur quoi? Il faut qu'on sache une chose. Rien ne démontre que c'était d'elle qu'on parlait. Quand on dit Lolo, c'est pas son nom de famille. Non, donc il y a plusieurs Lolo dans le monde entier. Même si tu dis Lolo Fodja, c'est toujours pas son nom. Parce que quand ils vont porter plainte, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Quand on prononce le nom de quelqu'un, ça doit être son nom de famille. Pour poser la même cette personne-là. Parce qu'au tribunal, quand vous arrivez, on demande vos présidents, vous les présentez. Il faut qu'elle prouve que c'est d'elle qu'on parlait. Il y a Lolo Beauté, il y a Lolo ceci, il y a beaucoup de Lolo dans le monde entier. Il faudrait qu'elle soit sûre que c'est d'elle qu'on parlait déjà. Parce que nous savons nous défendre. Surtout moi, je sais me défendre. J'espère qu'elle sait où est-ce qu'elle dira devant. C'est ce que je voulais apporter comme éclaircissement pour dire aux gens, aux internautes et à tes abonnés que si les gens ne prennent pas ça en mal, si j'ai réagi, c'est parce que je me rends compte que je me suis sacrifié pour quelqu'un qui est ingrat. Parce que ça, c'est de l'ingratitude. Juste à souvenir de ce que j'ai fait. Elle serait restée dans sa position et faire ce qu'elle a fait. Mais pas, ça veut dire que tu étais amoureux alors. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de principe. Je vais vous dire pourquoi. Je suis né dans une famille où je suis le seul garçon, j'ai 4 sœurs. Je ne permettrai jamais qu'on humilie une femme. Parce que je me dirais que demain, on peut le faire pour ma sœur, demain pour mes sœurs. Bien sûr. C'est pour ce principe-là que je fais ça.
C'est pas parce que j'étais amoureux, c'est pour ce principe-là. Parce que j'ai des sœurs. Je suis le seul garçon chez nous. J'ai des sœurs. Donc je ne permettrai jamais qu'on insulte aussi une insulte. Ça veut dire que je laisse aussi qu'on insulte ma sœur ou ma mère. Donc je ne peux pas le permettre. C'est pourquoi c'est pour ça que je n'ai pas toléré que même cette femme que j'ai épousée le fasse. C'était justement ça le problème. Ça n'avait rien à voir avec le sentiment. C'est une question d'éthique. Rien à voir avec le sentiment. Il faut que les gens comprennent d'abord ça. Et même après ça, parce que la vidéo que j'ai jouée, je ne sais pas si tu as suivi le début du direct, parce que j'ai essayé d'expliquer pourquoi tu as fait ta sortie aujourd'hui. Même après ça, tu as quand même envoyé dans les voices où tu disais que tu n'as pas fait ça pour l'énerver et que si c'était le cas, tu demandes vraiment les excuses. Bah, oui, ça c'est clair. Moi, je dis encore, si ça l'a blessé, je dis encore, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, que si ça l'a blessé, vraiment, je suis désolé. C'est arrivé. Mmh. Je ne suis pas journaliste, chroniqueur. Je ne suis pas le gars qui attend les questions. Pour moi, je réponds au tic au tac. Et pour moi, vous avez vu ce jour, c'est comme une blague. Quand j'ai dit noir, j'ai dit marron, j'ai commencé à rigoler. C'est comme une blague. Mmh. J'ai même demandé, si vous allez revoir l'émission, je demande à la chroniqueuse, vous avez vu la vidéo, vous l'avez, je vais vous porter plainte. Allez revoir l'émission. Je lui dis même que je vais vous porter plainte, ce que vous dites là. Après, j'ai répondu pourquoi pas sur la question. Mais les gens ont pris ça dans un sens que je n'ai pas compris. Que les gens aillent revoir et qu'ils écoutent attentivement. Parce que quand on relève une vidéo, on relève la partie la plus négative pour pouvoir permettre aux gens de se tirer sur la toile. Moi, je dis, allez revoir. Et ma vidéo de 2017 et l'émission, vous verrez que tout ce qui est dit n'est pas méchant. Non. Rien n'est méchant. Alors, quitte à insulter les parents des gens, déterrer les morts, les enfants des gens qui sont morts, je dis, là, c'était aller trop loin. Et j'ai dit, ça, je ne veux pas lâcher. Juste à cause de ça. Parce que nous, moi, j'ai des soeurs. On a des frères. Tout le monde peut se lever, insulter tout le monde. Mais pourquoi personne ne réagit? Parce qu'on s'est dit qu'il y a eu une bêtise, il y a eu une erreur qui a affecté quelqu'un. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution pour que ça arrive. On est d'accord. Quand tu es allé vers elle pour lui parler, elle vient relayer ça sur la toile. Là, il y a une chroniqueuse qui m'a vu au conseil. Qu'est-ce que tu veux passer pour qui? On va prendre la visite. On va prendre la visite sur qui? Sur le Facebook. C'est elle-même qui disait au début que c'est toi qui l'as appris à s'habiller. C'est eux qui disent que. Non, elles ont dit qu'il y avait été stade. Alors que hier, c'est eux qui disaient que c'est moi qui les a fabriqués. C'est là que je ne comprends pas cette histoire de Facebook. Les gens écoutent quand on dit autre chose, ils écoutent encore. Parce qu'il faut les ramener aux anciennes vidéos. Je ne vais pas entrer dans ce côté-là pour dire comment ce qui s'est passé entre eux et moi. Je le dis toujours, je le redirai toujours. Aujourd'hui, j'ai une relation, je dis avec quelqu'un. Mais elle et moi, on a eu dans l'ensemble beaucoup de choses ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble, des années. Oui. Je ne vais pas effacer ça du bout du doigt. Parce qu'il y a cette histoire. J'ai essayé de calmer la situation dans tous les sens. À Nimbos, avec elle et moi, on a discuté. J'ai essayé de calmer la situation pour que ça ne devienne pas entre elle et moi. On a trouvé un compromis et elle a changé de version de compromis. Je pensais qu'on s'était compris et qu'on devait arrêter et qu'on devait gérer ça. Le même jour de l'émission que c'est passé, j'ai fait un direct peut-être de 10 minutes. Elle le savait, on en avait parlé. Mais je n'ai pas compris comment est-ce qu'elle s'est permise de laisser les gens. Elle va vous dire que ça peut être insulté, elle n'était pas au courant, c'est des conneries. Elle est majeure, ça peut être qu'elle n'a aucune autorité de elle pour venir prendre sa place pour défendre. Elle défend quoi? Mais c'est ce que j'ai dit au début, puisque c'est elle-même qui avait dit dans le même direct. On ne défend pas un adulte, c'est interdit. Parce que moi, elle a dit qu'elle a porté plainte. Moi aussi, j'ai la vidéo de sa petite soeur, je me suis dit porter plainte. C'est ça, non? Parce qu'elle insulte les gens dans la vidéo. Ah, ça? C'est qu'elle oublie, c'est ça. En fait, elle oublie tout ce qu'elles ont fait. Et elles voient juste qu'il y a une émission. Elles veulent se faire de l'argent, mais elles n'auront rien de bon. Ils ont des avocats, ils ont au moins 50 avocats. Il faut en avoir déjà pour pouvoir les gagner en procès. On va tirer la procédure pendant 50 ans. Nous tous serons déjà morts. Eh bien oui, c'est comme ça. Ça, c'est le game. J'ai dit, il y a eu une petite bévue. On essaie de trouver une solution. Tout le monde peut se tromper. Je me suis excusé sous plusieurs formes. Mais pour qu'est-ce qu'ils veulent à la fin?
C'est comme si donc ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Et comme il y a d'autres choses derrière, on va à la guerre comme à la guerre. C'est comme ça. Mais elle t'accuse, elle a porté plainte par rapport à quoi? C'est quoi? Elle porte non, plainte. Moi, j'attends la convocation et le motif qui sera mentionné sur la convocation pour savoir comment préparer ma défense. Je ne peux pas pour le moment me prononcer là-dessus. Tant que je n'ai pas reçu une convocation avec un motif énuméré là-dessus, je ne peux pas me prononcer. J'attends la convocation. Elle connaît tout mon nom. J'ai donné mon adresse tout à l'heure. Je ne me cache pas. Je n'ai pas peur d'une convocation quelconque. Et en plus, ça sera une affaire civile, pour commencer, parce qu'ils confondent beaucoup de choses. Il y a des affaires civiles et des affaires pénales. Ça sera du civil, ce qui est sûr. La personne qu'on va arrêter là, on va convoquer, on va l'entendre. Ça sera une affaire civile, elle ne sera jamais pénale, pour commencer. Non, mais puisque si elle a envie de dire que tu l'avais attaché et que c'était faux, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle-même, elle avait déjà dit que c'était vrai. Hein. Les vidéos, nous l'avons. On va parler à l'entrave de la procédure. On va laisser la procédure suivre son cours. Mmh. Nous ne sommes pas encore entendus. Ça peut dire, on attend tout être entendu. Nous n'allons pas dévoiler ce que nous avons gardé ou ce que nous avons comme preuve ou dévoiler ce que nous avons sur eux. Non, je les laisse dévoiler. Après, on ira se justifier devant les autorités judiciaires, que ce soit l'officier judiciaire ou le magistrat qui va nous entendre. Je ne vais pas vous dire, vous dévoiler ça maintenant, je vous ai en direct. Je ne vais pas dévoiler ma défense. Je ne vais pas la dévoiler. Je dis encore que j'espère que sa plainte est soudée. Parce que vous ne pourrez pas qu'après, on se retrouve que c'est elle qui soit en train de demander pardon devant les magistrats. Parce que moi, je pourrais porter plainte sous plusieurs formes. Je dis ça toujours. Parce que quand tu dis des choses, il faut être sûr de ce que tu es en train de dire. Moi, je viendrai me défendre d'abord, en premier plan. Parce que je suis accusé. Et quand on est accusé, on est présumé innocent. Je ne suis pas coupable. Je suis accusé. Ce qu'elle fait, je ne sais pas. On dit que je dis qu'on est attaché. Quelqu'un qui dit qu'on l'a attaché sur une... Parce que maintenant, moi, je comprends qu'il y a un problème de contexte. D'autres disent que c'est parce qu'on est en train de faire l'amour qu'on l'a attaché. Elle a dit que c'est parce qu'elle ne veut pas aller au restaurant. Ça veut dire qu'il y a quand même... Ça veut dire que sur les deux formes, il y a quand même un lien. Qui est le mot attaché? On est d'accord? Oui. Quel que soit le contexte, est-ce que ça a existé, oui ou non? Elle a reconnu. On est d'accord? Elle a reconnu. Attends. Écoute-moi très bien. Quel que soit le contexte. Non, j'ai pas besoin, ma chérie, écoute-moi. J'ai pas besoin de la vidéo, écoute-moi très bien. On est attaché ou pas. Il y a un problème. Son problème, c'est le contexte. Ce qui lui fait mal, c'est le contexte. Parce qu'elle te dit que dans le contexte du journaliste ou de la chroniqueuse, c'était sur le fait de l'attacher pour lui faire l'amour. Maintenant, elle dit que ce n'était pas ça, c'est parce qu'elle ne veut pas aller au restaurant. Mais quand même, ce qui gêne, c'est l'attacher. Ça veut dire que c'est le contexte qui est le problème. Bon, on ne va pas condamner quelqu'un au tribunal pour le contexte. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'acte a été posé? Oui. Oui. C'est tout. Et dans le contexte, pour déterminer le contexte, il faudra avoir des preuves. Les preuves, ce n'est que l'image. Elle n'a pas d'image, la preuve. Elle va dire que ce n'est pas ça comment. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les Camerounais arrêtent de penser qu'ils sont intelligents quand ils vont aller porter plainte aux gens. Nous avons les grosses têtes. Et nous pensons et nous réfléchissons. Elle a un problème de contexte. Et que ce soit, un restaurant, que ce soit ceci. Personne n'a vu la vidéo. Les gens disent, les gens ont retenu attachement. Ils n'ont pas cherché le contexte. Et je l'ai même dit à l'émission que ce n'est pas dans ce contexte que vous pensez. Je l'ai bien redit. Et quand le magistrat va écouter l'émission, parce que le magistrat va demander à écouter l'émission, hein. On ne va pas l'écouter. Le magistrat va demander à écouter l'émission. C'est ce qu'elle oublie. Le magistrat va demander à écouter l'émission. Il ne va pas demander à l'écouter elle ce qu'elle raconte. Parce que quand on porte, on dit n'importe quoi. C'est ce que je t'ai en train de dire ici, qu'elle n'est même pas prête, elle ne sait même pas ce qui est en train de venir. Non, moi, je n'ai pas de problème à ça. Parce que je sais que qu'elle est 50 avocats, même seul moi, ils ne vont pas me gagner parce que je sais ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Et dans quel contexte ça s'est passé, et dans quel contexte ça s'est dit. Elle ne pourra pas me gagner devant qui que ce soit parce qu'il n'y a rien à démontrer. Elle m'a dit, il a dit quoi? Qui m'a attaché? Vous appelez tel? Non, je m'appelle tel.
Mais vous parlez de quoi, madame? Ça va s'arrêter là. C'est un non-lieu. C'est un non-lieu de se classer sans plus. C'est tout. Tout le monde veut savoir par rapport au 16K que tu as acheté. Non, non, c'est ça, je ne parlerai pas de ça. Vous restez comme ça. Je vous mets au travail. Il n'est pas acheté, hein. Ce n'est pas l'achat. Ce n'est pas l'achat. Ce n'est pas l'achat. On n'achète pas les cas. Ce n'est pas possible d'acheter. C'est pas mais possible. Dis-moi, là, comme ça, je vais faire. Non, on fait comment? Ce n'est pas l'achat, c'est impossible. Sinon, c'est que tout le monde le ferait. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des informaticiens de haut niveau qui n'arrivent pas à le faire. C'est moi qui vais le faire. Donc, ce n'est même pas possible. On n'a pas acheté. Si vous voulez l'explication, si vous voulez savoir de quoi je voulais parler, vous avez un problème de contexte. Vous, les Camerounais, le contexte. Dans quel contexte j'ai dit ça? Vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez écouté 16 cas acheter. Vous avez dit acheter. Ce n'est pas l'achat. Elle n'a pas acheté. Elle explique les a. Alors, comme ça, on va non, mieux. Non, je ne veux pas vous. Je veux l'expliquer ça chez toi. J'ai le direct dimanche. J'ai le direct à venir. J'ai le direct dans 10 ans. Tant que l'histoire continue. Je vais expliquer au moment venu. Ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas pour le moment. Je ne veux pas dévoiler, mais. Ça, tu me demandes de dévoiler mes balles, ma chérie. Là, si je dévoile là, finalement, est-ce que je n'aurai plus d'attractivité dans ce que je vais dire? Tu comprends ce que je veux dire? Ah, oh, avec ton élément que tu as de l'autre côté, tu aurais toujours les balles. C'est ça qui est. Non. Même si. Non. J'ai fait 8 ans avec elle. Hein, 8 ans. Ça veut dire qu'en 8 ans, il y a beaucoup de choses. Donc, la relation s'est arrêtée quand pas. Oh. Pourquoi? Non, parce qu'il paraît que quand. J'étais même là-bas sur le plateau, là vous étiez même toujours ensemble. Hein. Non, s'il te plaît. Là maintenant, tu es en train de porter atteinte à ma vie privée. Tu me permets que je te dise ça, s'il te plaît. Là, tu d'accord. Entres dans ma vie privée. Désolé. Je ne suis pas dans l'obligation de répondre à cette question. Non, non, non. Là, c'est ma vie. Non, là, c'est ma vie. Non, non, non. Là, c'est ma vie privée. Cette femme, elle a une vie conjugale, même si elle n'est pas officielle. Elle a une vie et je ne veux pas être celui qui va la détruire. D'accord, je le respecte. Parce que je ne souhaiterais pas qu'on détruise la vie de quelqu'un ou la mienne. Je ne veux pas être celui qui va détruire sa vie. Répondre à ce genre de questions, c'est exposer son couple. Je ne veux pas exposer le couple de quelqu'un. D'accord. Je dis juste que ça, il m'appartient à moi de rester muet à cette question. Je vais rester dans le contexte de l'histoire de l'émission et des sorties sur Facebook. Je ne veux pas rentrer dans ce cadre-là. Parce que non, ça va apporter pas, ça va couler beaucoup de salive. Voilà, ça va apporter beaucoup de problèmes. Je ne veux pas droit, hein, tu as vraiment droit. Parce que 8 ans là, vraiment, et puis elle a déjà fait 13 ans. Bon, on va compter là, après. Voilà, justement, c'est là où fait l'erreur. Je ne connais pas le loi en France. Hein. Donc quand tu vas compter la France. Tu as vu là où vous trompez souvent. C'est-à-dire que vous faites souvent une très grave erreur. C'est pas mieux de nous donner l'information comme ça, on ne non, fait pas les. Non, c'est pas nécessaire. Je vais pas vous aider à la tuer. Ça, c'est pas possible. J'aurais participé à votre crime. J'ai dit non. Je vais pas vous aider à la tuer. Si vous voulez la tuer, achetez vous-même vos armes et vos munitions, allez la tuer. Ça sera pas de moi. Je le dis toujours dans mes directs. Personne ne prendra de moi pour lui faire du mal. Personne. Non, moi, je suis pas ici pour tuer Lolo. Toi, tu n'es pas là pour ça. Mais il y a ceux qui t'écoutent qui sont là pour ça. Et je ne devrais pas acheter ce genre d'arme-là. Je dis toujours. Il faut avouer qu'elle manque trop et elle oublie qu'elle a déjà dit d'autres choses qui partent. Ça, c'est entre vous là-bas. Qu'elle mente. Moi, dans la part qui me concerne, parce que c'est une relation personne à personne. Peut-être t'as menti, toi. Mais moi, elle ne m'a pas menti. Donc, je ne veux pas te dire que je ne veux pas avouer ce qui n'est pas avouable. Ce que je veux dire, c'est que. Ce n'est pas de moi qu'on prendra le couteau pour la poignarder. Ça ne va jamais arriver. Je te jure, je ne vais même pas regarder le nom. Je te veux te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de filles qui sont dans ton direct, avec des faux profils. Si je te montre mon inbox, qui m'ont déjà proposé même de l'argent pour sacrifier cette fille. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de votre argent. Hey. Je ne veux jamais sacrifier une vie pour de l'argent. Et lui, j'ai dit, c'est mon inbox, hein. C'est pas que je parle derrière. Ça, je parle, elles m'entendent. Elles savent de quoi je parle. Si elles sont là. Nombreuses qui sont venues m'écrire inbox. Oh, pardon, même les photos. Oh, envoie les voices. Oh, on va te payer comme ça. Tu as un PayPal. Oh, j'ai dit, mes filles, s'il vous plaît. Vous êtes des femmes. Ça aurait pu être vous. Je ne ferai pas ça. Je ne vais jamais me permettre d'aider quelqu'un à lui faire du mal. Je préfère lui faire du mal moi-même.
Oui. J'avais même entendu le Congo, ça là, et pas, oh, qu'il y avait une fille qui était venue te donner de. Je crois que c'était 750 euros pour que tu. Non, n'entre pas dans les détails. Ma chérie, s'il te plaît. Tu creuses trop le plus là. Finalement, on va se noyer dans l'eau. Parce qu'on va tout aller trop en profondeur. Je t'ai dit que de moi, tu n'obtiendras rien. Je préfère mourir que de la donner à la bandit populaire. Mais moi-même, je préfère la tuer. C'est vrai que ce soit moi qui la tue, pas quelqu'un d'autre. Donc, je ne le donnerai à personne, quelle que soit l'arme pour lui faire du mal. Parce que quelqu'un qui a un moment de la vie était dans ma vie. Je ne peux pas me permettre de faire ce pareil. Ah, d'accord, c'est bien. Mais par contre, ta femme est belle, hein? Tu as vraiment fait un bon choix. Parce que quand on regarde ce que tu avais avant et ce que tu as aujourd'hui, on se demande. Non. Voilà, n'entre pas. Si c'est la beauté, c'est nous qui la voyons, c'est pas vous. Tu peux avoir une belle femme de corps, mais le comportement ne tient pas. C'est pas pour la beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est il y a le caractère qui vient avec. Donc arrêtez de dire que ta femme est belle, ta femme est jolie. Non. Est-ce qu'elle me convient dans son caractère? C'est ça qui est le plus important. Moi, je peux avoir une belle femme qui me respecte et qui me convient dans son caractère qu'une belle femme qui me plaît. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ne dites pas que ma femme est belle. Moi, c'est moi qui la vis. Et c'est moi qui. Parce que le caractère qu'une femme, qu'une personne te montre, et celui qui montre à son conjoint ou à sa conjointe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, donc, je ne veux pas être produit. Hein. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas fabriquer un être humain. Dieu n'a fabriqué personne qui soit laid. Quand quelqu'un soit belle, quelqu'un soit laid, on doit le prendre tel qu'il est. C'est sa nature. C'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Donc, je n'insulte pas les gens là, de ce côté-là. Je n'ai pas dit que l'une d'entre elles était là. J'ai juste dit qu'il y avait. Écoute-moi, tu l'as dit. Non, chérie, tu l'as très bien dit, s'il te plaît. Tu l'as dit. Écoute ce que tu as dit. Écoute ce que tu as dit. Quand tu regardes ce que tu avais avant et ce que tu as maintenant. Ça veut dire que tu as lequel élément. C'est pas bon, c'est pas ça. Non. Ne fais pas ça. Non, moi, je ne suis pas. N'entre pas dans ce jeu. Vous savez, les mots que tu vois, les mots sont indicateurs. Il faut faire attention aux mots. Ok, on doit faire attention aux mots. Toi qui as alors dit que je ne veux pas parler parce que je ne veux pas gâter son couple. Oui. Si on doit partir avec les mots, c'est que tu as déjà dit quelque chose que tu ne voulais pas dire. Dans quel contexte je l'ai dit. Et on revient au moment. Après les mots et le contexte. Dans quel contexte? Parce que les mots sont dans les contextes. Je l'ai dit quand tu m'as demandé. Tu m'as dit que tu avoir 8 ans. Donc là, tout ça, tu as dit 8 ans. Donc la relation, donc tu étais toujours avec elle. C'est dans ce contexte-là que je te dis que je n'ai pas le gars de son couple. Attention, parce qu'après le mot, il y a le contexte. Parce que quand tu as un mot, tu le mets dans une phrase. Mais tu pouvais bien dire non, si c'était que c'était. Non, j'ai pas besoin. Ça aurait pu être avant. Avant, il y a 5 ans. Elle était toujours en couple il y a 5 ans. Ça aurait pu être hier. C'est pas le même contexte. Parce qu'avant, il y a 5 ans, ils étaient en problème. Elle est venue me voir. Maintenant, ils sont en harmonie. Elle vient me voir, ça ne marche plus. Ça veut dire que ça dépend de la période aussi. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que tu dis. Je n'ai jamais dit que ça va gâter un couple aujourd'hui, ou bien c'était hier ou avant-hier. Non. J'ai parlé en général. Maintenant, demande-moi dans quelle période. C'est très important. Attention. Non, moi je n'entre pas dans ta vie. Moi, je t'aime bien, Pao, parce que moi j'aime vraiment ta position. J'ai pas dit. Non, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai pas dit que moi je ne suis pas une bonne personne. Personne n'est bonne. Chacun a ses petits défauts. On a des coques partout. Tu comprends? Mais je dis, je ne veux pas être celui qui va être à l'origine de la faille de l'autre. Je pouvais poser mes actes moi-même. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Que si j'avais dit au départ que si la personne paye une sortie, je vais sortir, je vais devenir sur la toile. Depuis qu'on parle sur Facebook, vous avez suivi mon histoire depuis 2017. Tout le monde a parlé de mon histoire. Même dernièrement, là, quand j'ai fait cette petite erreur à l'émission, il y a beaucoup de blogueurs qui ont repris la chose. Je n'ai parlé à personne. Hein. Je n'ai répondu à personne. Pourquoi je réponds à la concernée? Parce que je me rends compte que quelqu'un pour qui j'ai fait des sacrifices dans ma vie, c'est elle qui me permet aujourd'hui de venir me jeter à la vie populaire. Ah, ça fait mal. C'est cette partie-là qui me révolte. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a rien qui me révolte. Elle a toujours parlé de moi sur Facebook tout le temps. Moi, je n'ai jamais réagi. Mais c'est quand je vois que
Elle veut me jeter. On t'a dit quelque chose dans ton direct aujourd'hui qui m'a aussi un peu interpellée parce que tu étais en train d'avertir ces fausses personnes-là qui viennent derrière de ne pas trop faire parce que quand tu vas te retourner pour retrouver la personne, c'est quand tu veux. Donc, ça veut dire que tu connais comment faire pour reprendre ta personne ou c'est comment. Non, je n'ai pas dit reprendre. Voilà, justement. Tu vois, tu as les mots. J'ai dit que on peut se parler. On n'est pas des ennemis. Elle a dit dans son direct de jour, si vous l'avez écouté, donc même son direct, elle vous a dit que c'est le débloc qui m'appelle. Vous n'avez pas ce qu'elle a dit. Elle, on n'est pas ennemis, elle et moi. Cette histoire, c'est là qui nous a divisé. Puisqu'on s'est parlé, le jour que l'émission est passée, on s'est parlé. On n'est pas des ennemis. Oui, puisque si on ne se parlait pas, elle n'aurait pas eu mon voice. Non, elle n'aurait même pas publié l'affiche. Même l'affiche et même le voice qu'elle a donné à la femme des Amazones là. Ça veut dire qu'on s'est parlé. C'est cette histoire qui nous a divisé. Parce qu'on est trop peu avec une femme qu'on est ennemi avec elle. Non, on peut rester des amis. Même si on peut pas, quand on dit amis, c'est pas qu'on s'appelle tous les jours. Elle peut avoir un souci, elle me demande conseil, comme tout le pareil. Donc, on n'est pas des ennemis. Après, on n'a jamais été des ennemis, on n'est pas ennemis. Mais je connais des personnes qui sont derrière à tirer les ficelles. Je connais les noms, mais je ne vais pas les citer maintenant. Le moment venu, je vais les citer. Puisqu'elle va vous donner les noms. Mais puisque c'est vu qu'elle se gâte avec la personne, je serai au courant. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Même dans les bandes là, il y a les infiltrés. Il y a des infiltrés partout, sur Facebook, même chez toi, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui viennent prendre les informations chez toi, ils vont donner la flore, ils prennent la flore, ils donnent la perpétue, ils prennent la perpétue, ils donnent la telle. Ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quelqu'un qui est proche d'elle, qui m'aime toujours, qui m'aime bien, et qui avait été en contact, viendra me dire qu'elle m'avait dit que c'est elle. Mais comment on peut faire pour que vous ne ramenez plus le problème sur Facebook? Non, voilà, justement, la question, c'est pas à moi que tu vas la poser. Parce que j'ai dit ceci. Écoute, mais je le redis encore. J'ai mis un post sur Facebook où je n'ai indexé personne. Dans le direct qu'elle a fait, elle a dit que les gens lui ont envoyé les captures d'écran. Ça veut dire que c'est eux-là qui excitent les incitateurs. On est d'accord? C'est les gens qui lui. Elle a dit que les gens lui ont, envoyé des captures d'écran, que je suis en train de l'ultimatum. C'est ce genre de personnes qu'on appelle incitateurs. C'est de ces gens-là qu'elle va avoir peur. Exactement. Ce n'est pas de moi ou de ceux qui l'insultent. Parce que les gens qui t'insultent, ils veulent que tu rectifies, que tu changes, que tu corriges. Mais ceux qui t'excitent, ils te poussent à l'erreur. Et quand demain cette erreur va te mener à la tombe, tu seras toute seule. C'est ça que je veux comprendre, c'est une personne sur la toile. Parce que c'est bien bon d'avoir quelqu'un qu'on aime sur la toile. Parce qu'elle a la fenêtre. J'espère qu'elle a compris. Je ne veux pas savoir. Je ne suis pas. Qu'elle soit à la fenêtre. Qu'elle soit pas. Moi, je donne un conseil à tout le monde. C'est valable pour toutes les bourgeoises. C'est valable pour toutes les bourgeoises. C'est facile, n'est-ce pas? Il y a des gens qui excitent. Parce que quand quelqu'un qui t'aime, quand il voit qu'une histoire peut te claquer, peut te mouiller, il te dit stop. Tu restes cette personne de toi, vous avez eu des choses ensemble. Peut-être qu'il a des choses sur toi, laisse. Appelle-le, réglez ça à inbox. Si c'est excusé, passe à autre chose. Mais c'est quelqu'un qui te dit que ne laisse pas. Fais comme ça. Cette personne ne t'aime pas. Non. Elle ne t'aime pas. Parce qu'elle te pousse à l'erreur. Elle te met la colère dans le ventre. C'est ça le problème. Avec nous les Camerounais, on s'est excité. Et quand demain tu vas te brûler, il va te répondre. Tu t'es obligé de m'écouter. Quand il a parlé, tu pourrais laisser, non. Tu t'es obligé de faire comme tu l'as dit. Et pourtant, c'est lui qui t'a poussé à la bêtise. Il faut que les gens retiennent ça. Moi, je dis, les gens m'ont appelé hein, pour me dire que clash là. Donc, les gens m'excitent. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que moi, je ne le ferai jamais. En fait, je ne donnerai jamais l'occasion. Qu'on lui fasse du mal. Bon, pas moi, de mon côté. Si ailleurs, elle a ses couacs, ça c'est autre chose. Mais de mon côté, elle le sait. Et comme elle le dit toujours, je ne peux pas, même par erreur, la sacrifier. Je peux le faire moi-même, que de la sacrifier aux gens. Je ne ferai jamais ça. Parce qu'elle a partagé ma vie à un moment. Juste pour le temps qu'on a passé ensemble, quand je revois ça, je me dis qu'elle ne mérite pas ça. Que je lui donne. Parce que ceux qui viennent me voir, lui, c'est des étrangers, je ne les connais pas. Non. Oh, d'accord. Ceux qui m'appellent,
qui m'écrivent, c'est des étrangers, je ne les connais pas. D'autres, c'est des faux profils. Ils veulent juste créer la haine et détruire. Et moi, je ne peux pas permettre ça. Parce que je ne la connais pas. Elle, je la connais. Si je lui fais du mal, demain, comment je vais arriver à regarder les gens qui nous ont vus ensemble? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, je ne peux pas donner sa vie en pâture aux gens. Je peux le faire moi-même et assumer. C'est un peu dans ce sens. Je leur ai dit, je n'ai pas envie de parler. Mais ils sont en train de me pousser à bout. Quand tu ne veux pas allumer ta caméra, j'allume ce qui est sûr, c'est que je vais arriver à me contenir. À un moment donné, pour éviter que ça arrive, je vais me désabonner de Facebook, même pour un bout de temps, pour éviter de voir ça. Après 6 mois, ça va passer. Mais je dis que les gens, je vais passer par toi pour te remettre un message à certaines personnes. Okay. Ceux qui pensent, il faut leur dire, ceux qui pensent que de moi, ils obtiennent quelque chose en écrivant une note, en venant sur mon mur, en faisant telle chose, ils n'auront rien. Il faut leur dire, ils n'auront rien de moi pour détruire cette personne. Je dis bien rien. Parce que je ne suis pas là pour détruire les gens. Moi, je prends la peur. On a un âge avancé. On ne va plus retourner en arrière. Et le temps qu'on a fait sur la terre, on ne le fera plus. Parce qu'on a déjà fait la majeure partie du temps sur la terre qu'on avait à faire. On ne va pas mourir avec les rancunes, les colères et les ennemis. Il est un moindre de la vie, il serait mieux d'être seul dans ton coin que de te fabriquer des ennemis partout. Maintenant, c'est quel gagne sur Facebook? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais gagné sur Facebook. Si ce n'est pas les injures, si ce n'est pas le mépris, si ce n'est pas ce genre de trucs qu'on vit aujourd'hui. Moi, je n'ai rien à gagner là-bas. Je le dis encore, je n'ai rien à gagner là-bas. Je gagne ma vie autrement. Une autre forme. Eux, ils ont choisi la guerre sur Facebook. Mais je pense que pour la guerre sur Facebook, il faut la guerre dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses à faire sur la toile. Regardez les Blancs. Ils se font de l'argent sur la toile. Pas en insultant les gens. Regardez ce que font les Ivoiriens. Donc, eux, ils se clashent, ils arrêtent, ils font les business. Eux, ils ont trouvé un autre mode. Ils montent les copains, ils font l'offre sur Facebook, on les donne les étoiles. Mais nous, les Camerounais, qu'est-ce qu'on fait pour gagner sur Facebook? On se détruit, on bloque les pages des autres, on signale les pages, on insulte les familles des gens, on insulte les mamans des gens, on insulte les enfants des gens, on déterre les morts. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Est-ce que c'est normal? C'est ça mon combat, en fait. Donc, je vous ai dit, je ne peux pas donner à quelqu'un à pâture. Ça, les gens l'entendront longtemps. C'est si même pour ça. Qui a essayé d'abonner sur ma page directement, parce que ça ne servira à rien, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Mais quand on vous entend parler, vous deux là, on dirait que vous êtes encore amoureux. Oh là là, tu vois, tu reviens, tu en as. Donc ça veut dire que toi, là, ton premier gars, tu es encore amoureux de lui. Je sais qu'il est alors où, non, pas où. Tu sais où il est. Comment tu vois où il est? Arrêtez de faire l'hypocrisie dans la vie. On te parle d'éthique, tu parles d'amour. Voilà. Donc ça veut dire que les gens que j'ai, les amis que j'ai, ou bien vous qui toi qui dis que tu m'aimes là, c'est parce que toi et moi on a quelle relation que tu m'aimes. C'est ça, je vais t'expliquer. On peut aimer quelqu'un pour plusieurs choses. Pour son caractère, son franc-parler, son charisme. Il y a plusieurs formes il y a plusieurs façons d'aimer quelqu'un. Moi, je vous dis, j'aime ce qu'elle fait. Au départ, j'aimais à cœur ouvert au départ parce qu'elle faisait des choses merveilleuses. Mais après, je ne peux plus l'aimer parce qu'elle est ma copine. J'ai une copine, moi. Que je présente dans mes directs tous les jours la voir. Et si je me la cache. Depuis que je suis sur Facebook depuis 2011. Si tu peux pas regarder les pages. Ils sont arrivés en Facebook en 2014-2013. Moi, je suis abonné sur Facebook depuis 2011. Tu ne verras jamais la photo d'une femme sur ma page. En dehors de celle que tu as vue là. Alors, j'ai connu beaucoup de copines. J'ai mis les mêmes enfants. Mais tu ne verras personne sur ma page. Mais par où tu es vraiment homme. Tu as fait ma foufou à détester le kebab. Je vais revenir à ça. Depuis que je suis né. Je te permets, mais va mettre un post sur Facebook. Je n'ai jamais mangé le kebab. Demandez même à celle qui m'insulte, demandez-lui. Ou c'est que vous continuez de faire des torts. Je n'ai jamais mangé le kebab. Quand elle est dans son film, dans son élément, il faut les laisser dans leur film. Je dis bien que, honnêtement, tu la prends à deux derrière, tu t'assures qu'elle. On va dire que le gars, je mange parce que je devais mettre l'ambiance. Je n'ai jamais mangé le kebab. Demande à ceux qui me croyaient, ils vont te dire. J'aime faire la cuisine. Je fais mes courses, je ne peux pas manger. Même quand j'étais marié, c'est moi qui faisais à manger.
Je ne mange pas, je ne mange pas dans les, même en route là, dans les restaurants. Je mange les brochettes, la grillade. Je ne mange pas n'importe comment. Donc je ne peux pas aller manger une viande que je vois qu'on a emballée. C'est là où on a même découpé ça pour emballer ça. Je ne mange pas ça. Et finalement, hein? Je n'ai jamais mangé. Je te dis encore, et je le dis, je te dis encore, Bolingo. Quand les gens ont dit que je suis venu dans le kebab, ou elle a dit que le kebab, je juste la tête de mes enfants. Si Bolingo, moi, j'ai dit, je n'ai pas mangé le kebab de Bolingo. Pardon? Maman. Je n'ai jamais. Mais elle est là. Elle dit, tu dis, prends la inbox, tu demandes. Jamais. Donc, quand moi, j'ai dit, je ne veux pas les gars avec les filles de Facebook. Elle a aussi dit que tu l'as aussi filmé, comme tu as filmé Lolo. Bolingo, l'histoire de Bolingo, c'est 2012. Est-ce qu'il existait encore? Est-ce qu'il existait déjà toutes les histoires de Facebook là? Maman, elle dit que son clitoris, c'était pas bon. C'est le mensonge. Elle veut ce qu'on parle d'elle, c'est des conneries. J'ai pas envie de lui répondre parce que je lui ai donné l'importance. Alors, je dis, tu me fais me donner de l'importance aux gens qui ne valent pas la peine. Oh, on laisse alors, parle-moi de tout le monde sauf d'elle, s'il te plaît. Parce que elle, ce n'est même pas, pour moi, j'ai pas envie de l'insulter, c'est une femme. Parce que je vais dire des choses médisantes, c'est pas bien. J'ai pas envie de l'insulter. J'ai justement dit que je réponds à ta question par rapport au kebab. Hein. De deux, je ne l'ai jamais filmé. C'est une salle du quoi, c'était en 2012-2013. Il y a 10 ans en arrière. Je ne sais pas de quoi elle parle même. Moi, je ne me souviens pas. Si je vous raconte l'histoire, comment je me retrouve chez elle, vous allez même l'insulter. Parce que j'étais sous. Je ne sais pas où j'allais. Attends, qui met tête de mort sur le commentaire de quelqu'un? On est là, monté, c'est ma personne. Elle connaît souvent insulter Lolo. Qui met tête de mort sur son commentaire d'une mauvaise personne? Donc, je vais te faire comprendre que moi, je ne suis pas là pour insulter les gens, ni les femmes. Je ne veux pas insulter Bolingo. Bolingo est dans son ambiance. Bolingo, je connais Bolingo depuis 93, je pense. Mais on ne sortait pas ensemble, hein, s'il vous plaît. Parce que quand on va dire, on est ensemble. C'est en France, en 2012, qu'il est arrivé que dans mes alcools, je me retrouve chez elle une seule fois, pas deux fois. Je ne sortais pas avec Bolingo. On s'est retrouvé chez elle comme ça au hasard. Après ça, plus jamais. Si je manque, qu'est-ce que je fais sur la terre, sur une tour, puis que mes enfants ne trouvent rien. La dernière à 9 ans. Elle est là. Et c'est ce qu'elle dit, de quoi je parle. La dernière fois, elle a dit que je suis stérile. Après, elle dit que oui, elle a l'enfant. J'ai 3 enfants. J'en ai pas qu'un seul. Mon père, ça a 32 ans. Donc, quand j'entends les gens souvent raconter des histoires sur des gens qui ne connaissent même pas, ou même pour animer la galerie, ça me fait rigoler. Béni de Dieu, va te balader, vraiment. Venez mettre les têtes de mort ici quand on ne dit rien de mal. On cause entre nous calmement. C'est des gens comme ça qu'il faut même bannir de la toile. Si tu connais son poste, m'envoie. Moi, je suis informatique. Je vais faire son poste, tous ces postes vont disparaître. Béni de Dieu, je dis que tous les têtes de mort parlent de l'eau. C'est des gens qui elles n'ont rien à faire. Tu viens sur la page, quand tu t'intéresses, tu pars. Tu pars. Tu parles les têtes de mort, tu pars. Merci. Mais je n'ai pas compris les caméras, je ne comprends pas les gens. Tu viens chez quelqu'un, tu sais ce qu'il dit, t'énerve. Tu quittes la page, tu vas regarder ailleurs. C'est sa page. Il a dit d'en faire ce qu'il veut. Je ne manque même pas de respect à Lolo dans tout ça. Même. Je ne suis pas en train de manquer de respect à quelqu'un. Même si c'était le cas, est-ce qu'elle a besoin de mettre une tête de mort? Est-ce qu'elle a besoin de mettre une tête de mort? Ça va arranger les choses. Mais non! C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ça ne change pas grand-chose. Ouais. Donc... Ah ouais. Il faut dire à toutes tes copines, tes soeurs ou tes frères, je veux voir, si toutes les invitations à partir de juste sur mon compte, je bloque, je signale. Parce que vous, les gens demandent ma page là-bas, je ne veux pas, je veux rien, pardon. Ne donne pas. Tu as donné. J'étais entendu donner, j'étais même vu écrit, mais t'es réuni un peu. Ça ne sert à rien parce que je veux bloquer tout le monde. Oui. Je vais bloquer tout le monde qui vient. J'ai plus de 400 personnes qui sont à l'attente de l'invitation là. Je ne prends personne. Parce que je sais que ces personnes ne sont pas mes amis. C'est des haineux. Ils viennent là parce qu'ils veulent venir chercher des problèmes à l'autre, à d'autres personnes. Je ne veux pas. Ouais, pas. Comment? Ils vont mettre les étoiles. Je remercie comme ça Désiré Yang pour tes étoiles, ma chérie. Ma chérie, ma page est monétisée. Hein. Moi, je ne demande pas les étoiles, je n'ai pas besoin de ça. Pas
est-ce que je suis à ton niveau? Un grand homme comme toi, toutes les femmes... J'ai dit que je ne veux pas une étoile, parce que c'est les épaules, les étoiles d'hypocrisie. Je ne veux pas d'étoile sur ma page. Venez regarder, vous écoutez, vous partez. Ma page est monétisée pour autre chose. Parce que les Camerounais pensent que c'est les directs qui payent seulement. Non. Il y a des choses sur Facebook qui donnent de l'argent. Que si on t'explique, tu vas rester les directs. Non. Pardon. Parce que quand je vais te donner, tu vas donner à tes copines, ils vont donner à tes. Après, comme ça, me permet. Elle ne peut pas. Les gens pensent que ça fait les directs qu'on gagne sur Facebook. On ne gagne rien. L'étoile, c'est combien de dollars? Il faut m'avoir combien de dollars pour avoir ça, un dollar. Les gens pensent que ça ne donne pas de l'argent, les étoiles. Ça ne coûte, ça ne donne rien. Les gens font les directs, ils insultent les gens pour avoir les étoiles. Ça ne donne rien, les étoiles. C'est combien? Pour avoir même seulement 50 euros d'étoiles. Mais il faut crier pendant des jours. Pourquoi? En insultant les gens, tu gagnes combien d'étoiles? C'est n'importe quoi. Est-ce que j'avais besoin d'insulter aujourd'hui? J'avais juste besoin de partager ton direct. Toi, tu es la star. La prochaine fois, tu partages. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Je peux venir à ton direct, ça ne me dérange pas. Pourquoi tu hôtes dans les étoiles, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dit rien. Mais je dis une chose. Moi, il y a beaucoup de blogueurs là. Moi, ma page est monétisée depuis des années. Si tu veux, je la lui monte pas, je fais le capture de quand je t'envoie. Même pas monétisée. Quand tu regardes ma page, elle est monétisée. Je vais entrer dans ton IB tous les jours maintenant. J'ai dit que je dis que ma page est monétisée depuis. Elle veut encore. Je vais monétiser la page. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas blogueur, mais je n'ai pas monétisé. Eux sont des blogueurs, ils n'arrivent même pas à monétiser les pages. S'ils viennent me voir, je vais leur montrer comment on monétise les pages. À tous ceux qui veulent monétiser les pages, venez voir le grand Ota. Ils sont là, je suis un blogueur. Pour monétiser une page, c'est rien. Pardon, tu te connais dans l'informatique. C'est comme ça que tu as joué avec les 16 000 cas là. Non, tu reviens encore. Tu vois, tu reviens encore là-dessus. Je t'ai dit que je te jure. Sur ma vie, je mets ma vie là, j'ai juste la mienne. Ces 16 000 cas, elles ont eu normalement, mais dans un contexte. Tu comprends? Je te dis que ces 16 000 cas n'ont rien à voir avec le trucage. Non, elles ont eu. C'est des gens qui sont. Va revoir la vidéo. C'est des gens qui se connectent. Les gens se connectent, ça ajoute les chiffres, ça ajoute tout seul. C'est Facebook qui fait la plateforme. Ça n'a rien à voir avec. Tu peux pas truquer ça. C'est même pas possible. Sauf si tu as 16 000 téléphones et tu as 16 000 profils que tu peux donner à quelqu'un, 16 000 vues. C'est pas possible. On ne croune pas ça. C'est pas clonable. Tu ne peux pas clouner le profil pour avoir 16 000 profils et brancher quelqu'un. C'est pas possible. Il faut que tu aies 16 000 téléphones ou bien 16 000 écrans ou ordinateurs. Comment tu vas faire? Maman, c'est pas possible. Tu ne peux pas clouner. On ne cloune pas ça. Parce qu'il faut avoir 16 000 ordinateurs ou bien 16 000 écrans. Que ce soit mélangé, la tablette, ordinateur. Il faut que tu aies 16 000 pour pouvoir donner ça à grain. Mais on ne cloune pas, ça ne se cloune pas. Comment tu vas faire pour donner à grain? Je ne dis pas, dans une soirée, est-ce qu'on peut dire une chose et son contraire? On va te prendre au sérieux comment? Attention, va écouter, va encore. Toi, mon direct, non? J'ai ça, non? C'est ce que j'ai joué, non? Récoute là où je parle de 16 000, ce que j'ai dit. Attends, je joue, non? Écoute-toi-même. Tu écoutes ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est moi qui l'ai fabriqué. Demande-moi comment. Ok. J'ai dit, c'est moi qui l'ai fabriqué. Demande-moi comment. Ne me dis pas comment? Mais voilà, c'est la question que tu veux poser. On a dit que j'ai dit une chose en contraire. Non, je n'ai pas te dit comment. C'est un secret à moi. Je ne sais pas pourquoi je vais te dire. Je peux te donner un conseil, tu fais une vidéo. Tu as même 10 000 vues, tu sais pas ça. J'ai dit qu'elle va dormir dans ton IB maintenant. On va leur faire. Arrêtez de dire toujours qu'elle n'a rien, il n'y a pas de tricherie dedans. C'est le contexte maintenant qu'il faut chercher à savoir comment ça s'est produit. C'est. Donc, et tu sais que la période là, il y avait un Congo ça qui chauffait par rapport aux gens qu'on avait rapporté le Cameroun sur, par rapport à la CAN. Donc, les gens étaient obligés d'aller regarder, écouter l'histoire, la version. Voilà, donc tu vois que c'est pas possible qu'on ait cloué ça, c'est pas possible. Il faut dire la vérité. C'est vrai que la personne, je la porte pas en cœur en ce moment, mais il faut dire la vérité. C'est pas que c'était pas cloué, c'était normal. Mais c'est le contexte dans lequel on a eu ça normalement qui me donne une chose à comprendre.
Ah, pas, ce que nous on a retenu, c'est la première chose que tu as dit, hein. La première chose n'est forcément pas la vraie, parce que c'est moi qui l'ai dit, je suis l'auteur. Je peux fabriquer, je peux dire n'importe quoi. C'est l'auteur qui dit, c'est l'auteur qui vient rectifier. Même dans un livre, quand tu parles faire le manuscrit d'un livre, on le vend. Si tu vas faire une erreur, tu retires les livres, tu corriges et tu remets sur le marché. Eh, pas haut. Je te dis qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Avec moi. Non, avec moi, c'est là, comme ça, c'est toi qui es en train de jouer avec les mots. Hein. Envoie ta demande. Pao, il y a une fille là qui est fan de toi. Elle a envie de te poser une question avant que tu ne parles. Sur la toile ou bien inbox? Non, ici maintenant, elle veut monter. Ben, vas-y, je vais lui répondre. J'ai le temps, c'est vendredi. Il a vu ça bien, il y a sous même. Hey, Pao. Je suis chez moi, il boit mes bières à la maison, je suis bien sorti. À 2h, on va au tapis rouge, tout le monde est invité là-bas. C'est le tapis rouge aujourd'hui. Ma copine Anna Lilian Kelly qui est partie de Facebook, on te demande de revenir. Bonsoir, Pao. Bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Le vrai nom, hein, je veux parler. Non, je veux le vrai nom parce que Otam, c'est mon véritable nom. Hein, c'est son vrai nom. Elle est en vrai. Mon vrai nom qui est là, papa Otam. Vous appelez comment? Vous avez dit? Claudia DCS, comme tu vois là. Non, DCS, c'est pas un nom, c'est quoi ça? Papa Otam, c'est mon nom ici. Ok, vas-y, je t'écoute. On va parler sur les noms. Oui. Ah, c'est quoi comment le tu es venu dans le live? C'est pour dédouaner Lolo, c'est ça? Je ne dédouane personne. Mais pour, si tu joues à double jeu là, pourquoi? Tout à l'heure, que tu disais dans ton live, c'est ce que tu dis là maintenant. Je t'arrête avant de continuer. Non, ne te coupe pas. Je vais te répondre. Tu as demandé de douane, je te dis non. Du double jeu. Où est le, tu moi déjà au double jeu avant de continuer. Le double jeu, c'est par rapport à ce que tu as d'abord dit dans ta première vidéo. J'ai dit quoi? À la maison. D'accord. Est-ce que tu dis dans notre live là ce soir? Merci, Désiré. C'est différent de ce que tu disais au début du live avec Choukine. Tu changes de version, pourquoi en fait? C'est Lolo qui t'envoie venir dédouaner chez ses détracteurs, c'est ça? Pardon? C'est Lolo qui t'envoie lui dédouaner chez ses détracteurs. Les étoiles de ça. Ma chérie. Je vais te répondre un peu cruellement. Excuse-moi ce que je vais dire. C'est pas ça, j'ai comme l'impression que tu as un problème. Tu la connais. Hein? Vous l'avez déjà vu. Je l'ai vu sur Facebook. Elle est venue se vendre sur Facebook, non? Ah, tu es gabonaise. Gabonais par rapport à quoi? Ah, t'as besoin de parler. Ah oui. Tu es gabonaise. Que ça soit gabonaise, guinéenne. Là, c'est un ton gabonais, ça. Peu importe. J'ai fait le Gabon. Oui, gabonais. Que ça soit gabonais, camerounaise, hein. Ivoirien, tout ça c'est pareil. Je dis une chose. Laissez les noms des gens. Pour l'instant, j'ai un ennemi en face de moi. Je ne peux pas dédouaner un ennemi. Mm-hmm. Mais je veux que vous. Quand je dis quelque chose, parce que tout à l'heure, j'étais un peu colérique. Quand je dis quelque chose, je le dis, je peux le redire demain et après-demain. J'ai dit ceci et je retire. Les 16 000 cas, c'est moi qui les ai fabriqués. Ça n'a pas pourtant dit que c'était truqué. Tu dois me demander une manipulation informatique, non? Non, tu peux pas le faire. Comment tu vas le faire? Comment toi aussi tu vas pouvoir faire une manipulation? Comment toi aussi tu vas pouvoir fabriquer des 16 000 vues? Non. Ne comprenons pas fabriquer 16 000 cas et fabriquer les boîtes. C'est deux choses différentes. C'est le chiffre que tu as mis 16 000 cas, mais ce n'était pas le chiffre exact. Comment tu peux le mettre sur Facebook? Mais c'est à toi. Sur micro, comment tu peux le mettre? Écoute, ça, c'est des choses que je n'explique pas. Je ne suis pas dans l'obligation de vous expliquer. Mais pourquoi alors tu l'as dit dans ton live et que là, je suis libre de dire. Tu n'arrives pas à la tuer, en fait. Ma chérie, je suis libre de dire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. D'accord. Et ça ne va pas me justifier. D'accord. Pour ça, encore l'accepte. Mais pourquoi, voilà. Quand il s'agit de ma foufou, donc, ou à rien, pourquoi, quand il s'agit de ma foufou, tu as l'audace de parler comme si, genre, vraiment quelqu'un, tu t'en fous, jusqu'à tout à l'heure, tu as dit que c'était un coup d'un soir. Et pourquoi, quand il s'agit de Lolo, tu veux. Parce que c'est vrai. Et donc, Lolo, donc, jusqu'à ce que vous ayez l'intercation qui s'est passée sur le plateau d'Aïcha Sol, jusqu'à peu de contraire, vous étiez encore ensemble en couple. Non. C'est ce que tu n'arrives pas juste à savoir. C'est ce que tu veux savoir, non. Ah, non. Là,
tu dis seulement non parce que tu sais aussi que ta femme te suit dans ce que... Parce que ce n'est pas le même langage que tu as eu. Et je pense que là, ce soir, ce que tu fais, c'est que tu ne penses pas à ton ami Aïcha. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quelle que soit la femme avec qui je vais être, je ne lui permettrai jamais de manquer de respect à une ex. Je le dis aussi la toile là et tout le monde l'entend parler. Je ne me cache pas pour le dire. Écoute-moi, je te réponds, s'il te plaît. Tu peux pas poser une question à la fois, je te réponds. Je dis bien ceci. Moi, j'ai des principes. Je le dis toujours à tout le monde. J'ai eu des gens qui ont été dans ma vie à un moment et à des bons moments. Je ne me permettrai jamais, ni à celle avec qui je sors, ni avec celle avec qui je vais sortir demain d'insulter quelqu'un qui est sorti. Je ne permettrai jamais cette chose-là, hein, d'abord. Donc, ne me dis pas que parce que ma femme a... Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vis avec des principes. Je suis un homme de principes. Mais c'est... Je le dis encore une fois. Tu les ignores, voilà. Tu les ignores quand il s'agit de voir rien. Ne parle pas de celle là devant. Écoute. Ton ex fait partie aussi de ton passé. Écoute-moi, s'il te plaît, tu ne me connais pas. Tu la connais non plus, parce que tu ne connais pas. Je te dis encore une femme, elle n'a jamais été mon ex. Tu sais ce qu'on appelle ex? Mais quelqu'un avec qui tu as agnace? Non, ça ne veut pas. Ça veut dire que si je rencontre une fille en boîte pour un soir, je paye de l'argent, c'est maintenant mon ex. Donc tu as payé. Et Waria pour la nièce. C'est ça que je veux savoir. Mais donc, dis-nous, puisque tu dis que non, tu ne considères pas Waria comme une ex, parce que c'est un coup d'un soir. Donc, le coup d'un soir, c'est à payer. Ma chérie, je n'ai rien à te dire, là-dessus. Tu as quitté chez Lolo, tu as quitté chez Waria. Je n'ai rien à te dire là-dessus. C'est ma vie. De tes ex. J'ai répondu. Je pense que je peux parler à quelqu'un d'autre, s'il y en a quelqu'un d'autre. Avec toi, j'ai fini. Papa parle à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Parce que tu es le genre, tu es une autre personne qui aime les problèmes. Oui, bonsoir, j'ai une question, s'il vous plaît. Mais puisque le monsieur qui est en direct, il dit qu'il n'était plus avec son ex et tout, et d'où vient le fait qu'il puisse l'aider à avoir les... C'est pas son truc, il a dit l'ordinateur pour ses vues. Ça veut dire qu'ils sont... Bref, informaticien, tu as dit la chose. Qui a parlé d'informaticien ici? C'est vous qui parlez à moi, je vous réponds. Mais attends, mais tu as dit tout. Attendez, vous avez dit tout à l'heure que vous avez dit dans l'autre direct, et même là maintenant, que vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous ne pouvez pas dire. Non, mais jamais, ma chérie, s'il vous plaît. Vous voyez comment je disais que nous, les Camerounais, on aime seulement détruire. On n'aime pas écouter. Parce qu'on prend la part. Vous avez pris la partie qui vous intéresse. Bon, pourquoi je comprends pas. J'ai fait un direct de presque 45 minutes. Ce que vous avez retenu, c'est ça. Non, mais parce que la question parle du fait que vous avez dit que vous n'êtes plus en contact avec elle. Que vous ne, vous mais pourquoi tu veux savoir? Pourquoi tu veux savoir si je suis en contact ou pas avec elle? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Même si je l'ai dit, est-ce que c'est bénéfique pour toi? Mais attendez, bon, finalement, ne dites donc pas. Donc, ça je suis dit, tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis. Non, mais faut dire, mais, vous posez des questions par rapport à ça. Vous les Camerounais, excuse-moi, vous les Camerounais, je ne sais pas comment vous êtes. Après ça, et vous voulez que Paul arrive au pouvoir, tout le monde va rester là-bas. Parce que vous ne savez, vous cherchez toujours la faille. Ça a quoi à voir avec ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Tu viens m'interroger. Non. Tu viens m'interroger sur ce que je dis. Oui, mais. Je suis venu pour dire à quoi je veux faire. Je suis venu pour de mentir. Écoutez, je suis à un combat. Écoutez-moi. Permettez-moi, s'il vous plaît, madame. D'accord. Je suis dans un combat virtuel avec quelqu'un. Je suis libre d'utiliser toutes les armes possibles. Ça veut dire que vous mentez alors beaucoup. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai menti. Ça te va? Désolé. Voilà. Ça te va? J'ai menti. Ça n'a rien, ça. Comment vous pouvez venir, vous dites que... Vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Donc ça ne sert à rien, on ne dit qu'on vous pose des questions, puisque vous mentez. Je n'ai pas demandé qu'on pose des questions. C'est vous qui êtes venu poser des questions. Je n'ai appelé personne. Ce n'est pas mon direct. Je n'ai appelé personne. Même si vous n'avez pas demandé... Déconnectez-vous, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, parce que vous n'obtiendrez rien. Non, mais attendez, monsieur.
Donc, ça veut dire que c'est que vous racontez. Bon, dans ce cas, moi, je me déconnecte. Dans ce cas, si vous continuez, je pense que c'est pas la partie là qui est importante dans ce que nous faisons aujourd'hui ou dans ce que je dis aujourd'hui. Si là, je vous intéresse, je ne parlerai pas de ça. Et si vous continuez à parler de ça. Vous dites des choses, vous dites le contraire, ça veut dire que vous mentez aussi. Je suis un menteur, écoutez. Je suis un menteur, un gros menteur, ça vous va? Finalement, vous dites quoi alors? Qu'est-ce que vous dites? Vous racontez des choses contradictoires, tout ce que vous dites, monsieur. Je suis un menteur, ça ne va pas? Non, mais. Je ne me respecte pas. Non, non, ça, moi, c'est. Ne me respecte plus. Animaux, hein. C'est ton direct. Je crois que votre ex là avait vous passé ensemble. Vous êtes des casse-têtes, vraiment désolé. Franchement. Tant que tu es un casse-oreille, tu n'es pas casse-tête. Tu n'auras rien. J'ai dit que vous n'obtenez rien de moi. Tu n'as pas compris ça depuis. Il raconte des choses et après on vous allez être vous n'aurez rien. On n'en a rien à foutre de ça, mais monsieur, soyez véridique, c'est tout. Mais franchement, je suis pas votre mouton, justement, c'est pour ça que je suis en train d'argumenter. C'est pour ça que j'argumente, parce que je comprends qu'il y a trop de contradictions dans ce que vous dites. Non, tu n'auras pas la vérité. Tu peux bavarder toute la nuit, là, tu n'auras pas la vérité. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est très bon pour moi. Mais vous croyez que vous avez les moutons, vous dites des choses. Mais qui t'a appelé, va dormir. Pardon, va dormir, tu as sommeil. Vous venez chercher les armes chez moi pour tuer quelqu'un. Vous êtes, ça va pas? Bonsoir, Zotan. Bonsoir. Ne réponds pas à la même question. Si tu vois la même question, tu connais la réponse. Non, je ne poserai pas la même question. Tu es ivoirienne. Oui, je suis ivoirienne. Tu as vu? Moi, je détecte dans le langage. On continue. Zotan. Oui. Je demande, hein. Je demande. Toi-même, tu dis, tu ne donnes pas d'âme. Toi-même, tu viens exposer ton ex. Nous, on t'aide là-dedans, ça t'énerve. On t'aide. Non, vous ne m'aidez pas. J'ai dit, c'est 10 ans. Maman, attends, s'il te plaît. Tu vas continuer. J'ai dit au départ, avant que vous n'en soyez direct,
que je ne donnerai aucune âme. Je ne permettrai à personne. Je le ferai moi-même. Si vous avez compris ça déjà au départ, vous ne serez pas venu à la question là. Ça ne sert à rien. Parce que vous n'obtenez, j'ai dit encore, vous n'obtenez rien de moi. C'est le décortiquage de ton direct. Non, allez, nous, les questions que les gens allez, posent, allez prendre mon direct, allez le décortiquer, mais pas avec moi. Ok. Mais on pensait que tu étais la bonne personne pour nous parler de ton direct. Non. Je reste la mauvaise personne à vous aider à tuer qui que ce soit. Ouais, Fao, t'as m'a fait sortir la poupée chinoise jusqu'à elle a parlé aujourd'hui. Mais non, on ne sait pas parler. Bonsoir. Je n'ai pas encore parlé. On ne tue personne. On fait juste titiller. On ne tue personne. Mais on voit encore qu'il y a un peu d'amour dans tes yeux, mon téléphone. Non, là, ce que tu es en train de vouloir gâter ma relation que j'ai en ce moment. Non, on est ta femme. Tu vois, quand tu mets les photos de nous, on met les j'aime. Tu n'es même pas, en train de penser à cette femme avec qui je vis. Tu n'es même pas celle à côté de moi. Tu dis que j'ai l'amour pour une femme. Elle était sur Facebook, non? Elle était là et puis son mari est venu ouvrir le compte là. Le compte Warren. Elle était là. Je dis bien que il n'y a aucun compte sur Facebook qui ne porte pas mon véritable nom ni mon prénom. Je n'ai pas les faux profils. Mais c'est mes prénoms. Tu vas voir. Ben oui. Ok. Ah, nous, on demande seulement, non? Mais c'est pour ça que je réponds, non? Ok. Choupi, mais en tout cas, tu nous as fait plaisir. Merci d'être venu nous égayer ce soir. Un bon vendredi, Papa Otam, après les bières. De rien. Bonne soirée à vous là-bas. Merci. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Papa Otam, j'ai deux questions. Toujours les Ivoiriens. Oui, c'est lui, mais est-ce que tu es conscient que ce soir tu as déclaré une très grande guerre aux ténébreux? Ah bon? Ah ben oui, parce que quand tu viens dans notre direct, celui-ci c'est le direct des abeilles, des adversaires farouches. Je sais, c'est pourquoi je n'ai pas répondu d'avoir déclenché une dangereuse guerre. Est-ce que tu es conscient de ça? Avec qui? Avec les ténébreux. Non, ténébreux. Non, écoute, je vais vous dire quelque chose. Flore, c'est mon ami. Demandez-le à vous dire. On se parle tout le temps au téléphone. On s'appelle au moins une ou deux fois. Elle peut vous dire. Ok, d'accord. Bon, Attendez. C'est votre patronne. Oui. Même elle vous dira. Elle me connaît personnellement, personnellement se connaît. Elle peut vous le dire. Ok. Donc quand tu dis que c'est une guerre, moi je ne suis pas là pour faire des guerres. Je le dis encore, je ne suis pas ici pour faire des guerres. Vraiment. Non, je dis encore. Mm-hmm. La guerre, avec moi, vous n'allez pas gagner votre guerre. Vous allez perdre votre guerre. Parce que vous n'aurez pas ce que vous voulez vous gagner. Non. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre. Hein. Désolé, ce n'est pas nous qui faisons la guerre à la patronne des ténébreux. Mais c'est vous qui engagez une guerre sciemment. Parce que le fait de venir dans notre direct ce soir, intervenir et tenir des propos, parce que vous avez fait votre direct, vous avez eu l'audience, on vous a écouté, on a tous compris ce que vous aviez à dire. Attendez, faut nous laisser un peu parler parce que tu parles trop. Attends, je parle après, tu prends la parole. Vous parlez beaucoup. Mais oui, laisse-moi parler. Attends, tu peux pas monopoliser la parole. Laisse-nous parler. Tu nous laisses parler. Oh, Paotam, attends, doucement. On n'est pas en guerre. Nous, on est très contents que tu sois dans notre direct. Donc, c'est un plaisir pour nous de discuter avec toi. Tu vois, on ne veut pas creuser parce que tu veux nous prendre pour des gens qui sont un petit peu teubeux. On n'est pas teubeux parce qu'on comprend ta façon de faire. On comprend ta stratégie. Mais on essaie de te tirer les vers du nez. Tu ne veux pas parler, on comprend. Mais le fait de venir dans notre direct ce soir veut dire que tu veux nous dire des choses et tu veux déclarer la guerre à Pipi. Excusez-moi, bon, c'est sorti comme ça parce que c'est comme ça que je l'appelle tout le temps. Tu veux déclarer la guerre à Pipi. Ok, tu es là maintenant, mais du moment où tu t'es engagé à rentrer dans notre direct, au moins fais-nous le plaisir
de nous sortir deux ou trois bombes parce que tu ne vas pas venir parler là. Attends, sérieux. On est en train de moudre les grains, ça ne s'écrase pas. C'est quoi le but en fait de ta venue là ce soir? C'est quoi le but de ta venue dans notre direct? Je suis venu rectifier, je vais t'expliquer. Je dirais, je suis entré parce que j'ai vu la dame, elle a mis la vidéo de Bolingo. C'est tout ça que je voulais intervenir. Rien à voir avec le direct, avec l'autre. C'est vous qui entrez maintenant dans le décryptage de mon direct pour me poser des questions. Je ne suis pas obligé de me répondre. Sur la toile ici, dès que tu t'engages dans l'histoire avec les ténébreux, nous, il faut te dire qu'on va décortiquer tout le Japap et tout va être mis à nu. C'est comme ça la règle. Il n'y a pas de cacher. Je ne vous interdis pas de décrypter. Je ne vous interdis pas de mettre ça à nu. Je dis que ça sera sans moi. Pao, pour moi qui suis en train de te parler, moi, j'ai déjà essayé de décoder un petit peu tes phrases, tes petites piques et tout. Hein. Franchement. Je fais comment? Pao, dis-moi, la dernière fois que tu as niassé pipi, c'était quand? Il y a 7 ans. Pao! Dans l'attachement, c'est pas vrai. Il y a 7 ans. Mais la vidéo là est sortie. C'est une vidéo au Cameroun. Hein? Je laisse la vidéo, pas au laisse la vidéo. Écoute-moi, attends, je t'explique. C'est la même vidéo. Je ne parle pas de la vidéo, je parle de la niasse réelle. Laisse la vidéo là, la vidéo c'est fini. Tu veux savoir la dernière fois qu'il y a une niasse avec tes bras? Oui. Je t'ai pas répondu. T'as pas bien répondu, pas. Bon, le jour, écoute, alors maintenant. Le jour okay. Qu'il y avait une niasse, je vais te répondre. Eh, pas. Ton tour est fini, maintenant ce tour de Chanel ça suit. Ok, je suis son chéri, allez, je continue le direct, à suivre le direct. Bonsoir Warren. Hey, belle voix, bonsoir. Dis d'abord merci à la personne qui t'a bipé 2-3 fois dans le direct et tu es entré. Après, on peut continuer à parler. C'est moi qui t'ai bipé. Tonta, pipi, viens voir les gars qui veulent prendre ton gars là. Non, je ne veux pas le prendre. Moi, je ne prends pas le gars des gens. Moi, je goûte et je m'en vais, c'est tout. Non, je rigole. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai quelque chose à dire à Pao Tam rapidement. Ina, bonsoir, ça va? Bonsoir, chérie. Pao Tam. Oui. Moi, je vais te faire des beaux bébés. Oh, je vais te faire des beaux bébés. Tu es en train d'irriter ma femme, elle est couchée, m'écoute. Hey, ta femme, elle a... tu parles avec le nom de Galès, elle-même, elle est là. Je vais te faire des beaux bébés. Je vais te faire des beaux bébés. Non. Des jolis bébés. Non, merci, j'ai pas. Pour l'instant, je suis occupé. Attends, on va me décharger. Je vais écarter comme ça. Je vais pisser, pas au temps. Je vais pisser. Aïe. Je vais réunir mon mari. Il va réunir. Aïe. Si tu veux être malade, tu veux être malade. Ne te déconnecte pas, hein, parce que moi j'étais douce dès le début. Donc, Ina est venue attaquer. Donc, je vais attendre que Ina finisse. Non, le problème, je vais pas me déconnecter, mais je vais vous dire une chose. Je veux qu'on de rigoler, on est en train de rigoler, on blague, mais il faut reconnaître que vous êtes sympa, vous voyez, et moi je vous dis toujours, je le dis, vous êtes des femmes, bien que vous ayez en face de vous des ennemis, vous êtes des femmes, et je pense pas que si un ex à vous aujourd'hui se permet d'étaler des choses pour vous, ça vous fait plaisir, alors j'ai pas envie d'avoir l'occasion d'être celui. On ne parle pas de parler, je vais te faire des beaux bébés. Exactement. Que je vais écarter, que je vais réunir mon mari. Moi, je vais dire, je réunis. Non, je ne peux pas te permettre. Non. C'est comme si demain ma femme me réunit. Je ne peux pas te permettre d'abandonner un homme pour autre personne. Non. Si tu as rien fait, tu m'as bien vu.
Tu m'as bien vu. Il a dit que non. Il a dit tout à l'heure que la femme, ce n'est pas la beauté. La personne qui pourrait intéresser ou l'exciter, ce serait le comportement. Il regarde bien la beauté. Il a regardé les lolos là. Qui laisse qui parle là? Amberon, mais les lolos maintenant en plastique. Donc, laisse d'abord. Là-bas, pour moi, ce n'est pas en plastique, c'est naturel, c'est encore là. Je m'en vais au tapis rouge. Viens là-bas. Envoyez les cœurs. Il y a un salon là qui envoie les têtes de mort. Envoyez les étoiles, envoyez les cœurs. Donc, tu dis que quoi? Envoyez d'abord. Donc, vous voulez savoir. Écoutez. Je vais vous donner une balle. Mais si vous voulez une balle, je veux voir 500 étoiles là tout de suite. Écoutez, ils travaillent à 7 heures. C'est vrai, pas haut. J'aime déposer mon sommeil pour eux comme ça, pour leur faire plaisir. S'il n'y a pas 500 étoiles maintenant, je le dis plus. Envoyez 500 étoiles rapidement. Il aime trop pas autant. Hé, autant. Je comprends pourquoi Pipi te pleure. Bon, Warren, tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as, elle est venue, elle m'a même perturbé. Mais tu as répondu, toi. Toi, je t'ai répondu, je t'ai dit 7 ans. Il t'a dit il y a 7 ans. Non, c'est pas moi. Je ne t'ai pas posé. Non, moi, je ne pose pas de questions sur tes ex. Hein, m'en fous. Non, en fait, elle est venue perturber. Ça a fait monter ta tension et puis tu es parti sur autre chose. Bon, dis-moi, c'était quoi ta question? Non, je disais que quand tu es arrivé, il fallait quand même dire merci à la personne qui t'a bipé. J'ai dit merci, c'est toi qui as dit merci. D'accord. Mais j'ai dit, tu es intéressant. Je lui ai dit merci, c'est vrai, pour de vrai, je t'ai dit merci. Désolé, je n'ai pas compris. Je t'ai dit encore merci. Ok. Next time que je monte à Paris, moi, je viens voir tes. Mais je rencontre ta femme avant, je demande la permission. Moi, je suis respectueuse. Vous pouvez voir. Il y a une personne. Pour dîner avec ta femme et toi. Je marche, c'est mon porte-monnaie partout, je m'assois là. C'est ce que je viens de dire, que tu as écouté. Que moi, je descends. Non, pas vous allez descendre, mais avant de descendre, il y a une Diane Evoula qui demande pas autant. Sa question, c'est de savoir que penses-tu de Pafoja? Aïe. Vous voulez que je parle de quelqu'un qui ne m'a pas adressé la parole? Ça, c'est pas bien. Mm. Alors, vous voyez, et c'est comme une provocation. C'est un homme comme moi. Et je ne pouvais pas si tu avais pensé à l'homme là-bas, où tu ne pouvais pas aller, tu ne pouvais pas quand même aller jusqu'à demander de renier. C'est pour ça que moi aussi, je veux renier. Donc laisse ça, tu n'es pas trop gentil. Justement, même sur le plateau. Donnant des coups de rein violents, la qualité là, non, je dois savoir tes coups de rein là. Mais tu n'auras pas l'occasion, ma puce. Quoi? Même si on faut qu'il t'attache pour qu'on te viole là, ça va dépasser qui? Il faut déjà me trouver. Je vais t'encercler à Paris, te dérange-toi. Ok, d'accord, j'attends. Là où tu es là, tu es en train de bander même. Tu es là en tour avec les amis. Je suis couché à côté d'une femme. Quelle femme va accepter que tu parles et l'arrache par le téléphone? Chérie? Tu parles avec la femme de nuit. Non. Florence? Écoute, elle te parle, chérie. Oui. Elle dit que tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire là, elle ne croit pas. J'écoute. Mais chérie, tu as fait de partager. Non, tu as compris alors qu'elle est là. Et donc tu comprends que. Voilà, tu as compris, non? Oui, je ne suis pas abonné à lui. Enfin, je ne suis pas son ami sur Facebook et ni que vous non plus. Non, il faut t'abonner. Et tous ceux qui sont en train de regarder, abonnez-vous, c'est Chupinette. On fait souvent plein de vidéos comme ça, vraiment intéressant. Tu as vu que je ne manque pas, qu'elle dit qu'elle est en train de m'écouter. Tu crois que je ne mens pas? Non, tu n'as pas menti. Bravo. Tu vas seulement attacher. Même s'il faut que tu mélanges tous les galas avec ma bétanga, tu vas attacher. Vous avez compris, vous savez, je vais vous dire un truc. Les filles, je vais vous dire un truc. Moi, je suis un gars, je suis le loyal. Vous comprenez, je ne suis pas le genre qui reste pour moi, ma copine à gauche, et je fais n'importe quoi. Quand je fais, elle fait ce que je fais. T'as parlé? Non, je suis loyal. Je suis en train de vous regarder, vous ne likez même pas ma page.
J'ai demandé le virtuel, elle ne donne pas. Elle veut me poser la question. Non, j'ai liké et puis j'ai partagé juste bon, au paradis. Maintenant, ouais. Maintenant, à une question, c'est 10 étoiles. Si vous n'avez pas tout posé une question, c'est 10 étoiles. Bon, j'aurais une question. Envoie la voix 10 étoiles. 10 étoiles. Okay. Oui, oui. Attends, attends. C'est comme ça, vous 10 étoiles, non, une question. Pas haut. Pardon, j'aurais deux questions. Première question. Ça fait 10 étoiles. Première question, 10 étoiles. Deuxième, j'ai 20 étoiles. 20 étoiles. Ok, ok. Voilà, et dès que je finis là, j'envoie. Non. Comment toi, tu savais tout ce qui... Eh, pardon, laissez-moi passer. Quand c'est mon tour, vous voulez me knock. Bon, ben, je viens de knock. Tu dois 20 étoiles. Elle a compris, tu vas donner. Choupi, tu peux vérifier. J'ai partagé à mon autre compte. Que mon... D'accord. Nous, les abeilles, nous sommes prêts. J'ai cinq profils. Bon, attends. Donc, moi, je voulais te demander. Non, j'ai le temps. Pour maman, il faut que j'ai le temps. Je voulais te demander. Moi, je ne comprends pas. Durant toutes ces années, tata, toto, pipi, là, n'arrêtait pas de se plaindre que, oui, on a monté ma dignité, on a monté ma dignité. Toi, tu savais tout ça, là. Pourquoi tu l'as laissé diffamer, Mafo, durant toutes ces années? Pourquoi tu ne lui as pas dit à un moment donné que non, il faut rétablir la vérité? Pourquoi l'avoir laissé gâter le nom de Mafo tout ce temps? Ok, vous allez me parler, suivez attentivement. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle de ça? Parce que Flo va se fâcher si on parle de ça. Moi, je tiens. Flo va se fâcher contre vous si on parle de ça. Non, si Flo va se fâcher, c'est mieux qu'on ne parle pas. Attends, parce que tu pouvais aller. Bon, Non. Je veux parler. Parce que il faut que je vous montre. Parce que vous faites des choses souvent, même pour écrire, parce que vous ne pouvez rien sans savoir. Parce qu'il y a des intrigues que moi, j'ai gardé, que Flo, elle fait. Il n'y a pas autant. Maman, ne coupe pas. Elle était avec Flo, amoureux de sa femme, les trois ensemble. À la garde de la tenue. On ne change pas. Parce que vous posez des questions pour qu'on comprenne votre propre reine. Je travaille à 7h du matin. Donc voilà, il faut faire attention aux questions que vous posez parce que il y a des choses qu'elle connaît. Je veux taire ça parce que... Tu as falsifié, tu as mal fait. Les 16 cas de vie ne sont pas les... Je n'ai jamais prononcé le mot falsifié. Jamais, il est bien. Tu as dit que c'était du faux. On a dit que... Tu as dit que tu as fabriqué. On ne fabrique pas quelque chose de qui est vrai. Si vous continuez comme ça... Si c'était des vraies vies, tu n'aurais pas eu besoin de dire que tu les avais fabriquées. On ne fabrique pas ce qui est vrai. Comment tu peux fabriquer la vérité? Eh bien, voilà. Si tu fabriques, ça veut dire que... Non, c'est toi qui n'es pas cohérent. Moi, je suis en train de te demander... Vous parlez de Lolo, vous êtes très fort. On a même pour Flo, vous tuez. Maintenant, je vais faire un direct sur le Flo à demain. Comme vous voulez qu'on parle de ça. Ça n'a rien à voir. Arrêtez aussi l'histoire des cas. Ça n'a rien à voir. C'est mon histoire d'attacher. Restons dessus. Ok, je vais te poser une question, là, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Pardon, moi j'ai un problème. Pourquoi Aïcha Sol demande à Aïcha Sol d'inviter aussi Flo de venir donner son point de vue? Non, ce côté-là est en train de se résoudre. Calmez-vous. Les choses, vous savez, aujourd'hui vous dites que Reven Biaye a insulté l'enfant d'Aïcha. Flo avait aussi fait pareil. C'est nous qui disons. Attendez, c'est-à-dire qu'elle a fait et vous êtes en train de... Reven Biaye a insulté. Écoutez, laisse-moi parler. Je vais te répondre. Pourquoi c'est un peu difficile cette histoire? C'est délicat en l'histoire Aïcha Sol et Flo. Flo, à l'époque, elle était avec, comment on appelle la dame là? Il y a une dame là. Flo aussi avait insulté Aïcha, vous comprenez? Et avait insulté son enfant. Vous savez, tous on a des enfants. Vous, pareillement, vous avez. Si vous perdez un enfant et qu'on vous le ramène, ça, on vous le dit tout le temps, ça vous blesse. Et c'est pas facile à effacer. Aïcha ne refuse pas de prendre Flo sur sa toile. Mais Aïcha a besoin de temps. Vous n'êtes pas les seuls à le demander. Moi, elle et moi, on en a même parlé. Je ne veux pas
de vous dévoiler ce qu'on se dit, elle et moi. Mais je dis, ça va arriver. Ça va arriver. Laissez-les. À quel que soit le temps que ça va prendre, ça va arriver. Ça va se faire. C'est même pas un truc que vous devez même parler, ça va négocier. Ça va se faire. C'est normal. C'est une blogueuse. Et elle a la durabilité. Elle se doit de passer à là-bas. Mais je dis, vous savez, avant. Tout le monde a insulté tout le monde ici, là. Non. Il y a insulté. Quand vous perdez un enfant, et qu'on vient vous dire que vous avez tué votre enfant, ce n'est pas une injure qu'on pardonne facilement. Arrêtez de dire que tout le monde est insulté. Les injures sont très différentes. Il y a les blessants, il y a ce qu'on peut tolérer, il y a ce qu'on ne tolère pas. Arrêtez de dire, parce que c'est Flore, votre soeur, ou votre ami, ou votre quoi, que vous allez prendre la défense. Non. Il faut être dans la vie, il faut être. On enlève cette question-là parce que sans te mentir, Mafo n'a jamais. Et même. Vous parlez beaucoup de les vidéos. Non, moi je parle maintenant parce qu'avant que la ménage Jaguar ne vienne, c'est sûrement, je ne sais pas si la personne suit vraiment Flore. Flore l'avait dit une fois qu'elle a été invitée et c'est elle qui avait dit merci, non, je ne viens pas. Non, ça c'est faux. Qui l'avait invitée? Ouais, elle a déjà été invitée. Qui l'avait invitée, c'est faux. Dis la Flore, autant pas dit que c'est faux. Autant, toi-même, quand tu dis un truc de 16K maintenant, après tu peux changer la voix. Non, c'est ma soeur. Je suis même pas fait de le dire. Pas haut. On dit quoi? Écoutez, je suis en guerre avec quelqu'un. Je peux dire n'importe quoi pour la descendre. J'ai le droit. Mais je ne peux pas insulter ses parents, ses enfants, ni sa famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis que je parle là, vous ne pouvez pas insulter cette fille ou insulter ceux qui m'ont insulté. Non. Parce que moi, je n'insulte pas les personnes. Mais je peux fabriquer des histoires qui peuvent vous compromettre. Juste pour vous descendre aussi. Donc, n'allez pas dire que tout le monde a insulté. Il faut, quand on s'insulte, je vous insulte vous. Vous m'insultez moi, ça va encore. Moi, vous n'allez pas m'insulter et moi, je vais insulter vos parents qui ne me connaissent pas, que je ne connais même pas, vos enfants, vos familles. Ça, c'est pas bon. Si même moi, faut passer là-bas, c'est Aïcha qui devait gagner tout le monde. Regarde les dernières émissions qu'elle a fait. Elle va gagner quoi sur Mafo? Non, mais arrêtez vos conneries. Elle va gagner quoi sur Mafo? Pourquoi les Camerounais suivent la chose? Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Bon, je peux me déconnecter. Attends, je vais dire quelque chose. Non. Je vais partir. Je vais partir, s'il te plaît. Soit je parle, je dis ce qu'il a dit, comme je parle. Vous ne pouvez pas m'étouffer. Je vous pose une question. Il faut aller vérifier ces vidéos, les abeilles, vérifier ces vidéos. Elle fait les vidéos montage sur ma peau. Elle appelle l'ongoué, elle publie là où elle insulte et on lave ma peau sur sa page. Donc elle n'a pas le droit de venir passer ici et elle a de poser certaines questions. Je vais vous dire quelque chose. Ne confondez jamais. Choupi, ne confondez jamais la télévision avec Facebook. C'est deux mondes différents. La télévision reste la télévision. Parce que sur Facebook, quand tu lances le direct, il faut qu'on partage pour que d'autres personnes voient. Mais quand une télévision est mise en marche, quand tu allumes ta télé, tout le monde entier la regarde. C'est pas la même chose. Samantha Fox veut te poser une question. Voilà, donc tout le monde va comprendre les choses. Attends alors, elle va poser la question, tu vas comprendre. Écoute, comment ça pose la question? Oui. J'aimerais poser une question en fait. J'aimerais vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que vous allez à la télé déclarer que vous avez attaché. Lolo, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Je ne peux pas répondre.
Oui, allez-y. Mais alors, si vous posez, vous répondez vous-même, je vais donc laisser vous parler. Écoutez-moi très bien. Allez revoir l'intégralité de l'émission. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand le président Samuel Eto'o a parlé à l'Africa Foot pour expliquer les audits de l'Africa Foot, on a juste retenu qu'il a donné 5 000 euros à Bakirou. La même chose s'est passée avec moi. Je ne suis jamais allé sur la chaîne de télévision pour aller parler de nouveau. Je suis allé parler du sud, des femmes qui font le chantage des taoles aux hommes. D'accord. Et une question a glissé dans le Soudan pendant l'émission. Avant de venir parler sur la toile, allez revoir l'émission en intégralité. Pendant l'émission, c'est pas la guerre. C'est une question. Pardon. Et le problème, c'est que j'ai une deuxième question en fait. Est-ce que vous l'avez vraiment attaché? Parce que à l'émission, elle vous a répondu. Pourquoi ça vous voulez que la réponse? Elle vous a pas répondu. Non, il y a pas de mais. Est-ce qu'elle vous a répondu oui ou non? Elle a répondu en disant qu'elle s'est fait attacher et qu'elle s'est fait détacher. Mais maintenant, comment vous avez la réponse? Vous me posez la question. Vous êtes deux bipolaires. Il n'y a pas de problème. Hey. J'avoue. Non, mais c'est vous. Vous avez avoué que vous l'avez attaché sur le plateau, non, sur le plateau de télé. Je vous repose la question. Est-ce qu'elle ne vous a pas répondu? Non, mais moi, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé. Si vous dites que j'ai avoué, pourquoi me reposer la question? Si vous allez dans une télé déclarer que vous l'avez attaché et tout ça, ça veut dire que vous l'avez vraiment attaché. Mais dans ce direct, vous niez que vous ne l'avez pas dit. Non, attention. Madame, s'il vous plaît, vous êtes de mauvaise foi. Ça veut dire que je suis arrivée dans le direct un peu en retard. Vous êtes de mauvaise foi, madame. Excusez-moi de le dire. Vous êtes de mauvaise foi. Comment vous pouvez dire que j'ai nié dans ce direct? Vous êtes de mauvaise foi. Ça veut dire que moi, je n'ai pas suivi. Quand on prend une émission en cours, on se renseigne sur le départ. En effet. Avant de vous poser la question. Elle a quand même le droit de poser sa question. Elle n'a pas le droit parce que j'ai répondu à cette question sur une chaîne de télévision. Vous avez écouté. La concernée vous a répondu et vous la ramenez encore. Ça veut dire que vous cherchez autre chose. La concernée a modifié la couleur de la corde. Elle a dit que ce n'était pas marron. La couleur de la corde n'est pas importante. Elle peut être même jaune. C'est la précision qu'elle a apportée. C'est tellement agressif en fait que. C'est pas de la question, c'est que vous venez avec les questions, vous cherchez à avoir ce que vous n'aurez pas. Vous êtes. Tu nous as déjà tellement donné de balles, tu ne te rends même pas compte de ça. De toutes les façons, tu vas faire ton direct, on viendra écouter ce que tu vas dire de toutes les façons. Ou pas avoir les balles, parce que même si tu as les balles, c'est sûr que dans ton direct, tu vas verser ces balles-là. Donc, on n'a pas besoin de. Si tu ne peux pas, je voulais rajouter. Moi, ce que je voulais rajouter, Papa Otam, c'est qu'en fait, c'est Aïcha que tu mets en mal ce soir parce que avec ce qu'elle a fait à Aïcha, ce qu'ils ont fait, la bande de Pipi a fait à Aïcha, de venir dédouaner comme tu as fait de vouloir dédouaner, là, c'est n'importe quoi. En fait, ça veut dire que c'est ton ami Aïcha que tu acceptes qu'ils insultent comme ils ont insulté. C'est ton enfant que tu acceptes qu'ils insultent comme ils ont traité. Et toi, tu veux venir faire celui qui est. Maintenant, là, l'émission est terminée. Les femmes comme ça, ma chérie, s'il te plaît, j'ai beaucoup de respect pour toi. Les personnes, quand tu veux prendre ton direct, il faut les recadrer. J'ai comme besoin qu'elles viennent ici chercher de quoi insulter les gens. Moi, j'ai dit au départ que je ne suis pas là pour attiser les gens, pour attiser la haine. Parce que moi, j'aimerais bien voir ces personnes en face, qu'elles me le demandent en face. Parce que j'aime pas trop. Elle va venir sur ta page. Moi, je ne cherche pas à écouter. Merci vraiment pour ton temps ici. Je travaille le matin. Tu as trop fait hier ce soir.
Je sais, donc je dois vraiment te remercier. Je vais répondre, s'il te plaît, je vais répondre à une personne, Lucie Lorfeval. La personne qui a posé cette question, c'est un ténébreux, par rapport à ce que Ina Aïcha t'a dit, cette personne a une page, et sur la page de la personne qui a posé la question de savoir si Flore n'allait pas passer dans cette émission, cette personne n'est pas abeille, parce que les abeilles ne posent pas les questions bidons comme ça. Les abeilles ne réfléchissent pas de la manière parce qu'on ne supplie pas pour notre mafo. Notre mafo est supplié. Autant, tu as beaucoup parlé. Je parle maintenant dans mon direct. Je parle à Makota Abeille. Notre mafo est supplié de passer dans des émissions. Ça, c'est on ne supplie pas. Donc, la personne qui est passée pour demander ça au TAM, je dis ici avant de partir, ce n'était pas une abeille, c'est quelqu'un, j'ai entendu, qui ne parle que du mal de Flore et dont ne connaît même pas Flore. On ne veut pas qu'elle passe là-bas. Nous sommes contentes avec notre PDG TV. C'est là-bas que les abeilles partagent les plus de 1000 partages. C'est là-bas qu'on montre l'amour à celle-là qu'on a décidé d'accepter et de suivre. Mais donc, c'est normal. Pas d'amalgame, c'est un ténébreux qui a posé la question. J'ai fait l'erreur de monter cette personne sur mon direct. Nous ne faisons pas d'amalgame. Et je retire cette question, je retire ta réponse. Je retire la question pourquoi Flore ne passe pas là-bas. Nous, on ne pose pas les questions bêtes comme ça. Donc, je retire cette question et on annule ça. Et toi, là, ne passe plus jamais dans mon direct. Non, la prochaine fois, je te bloque. D'accord. C'est bien, tu as bien. Moi, je veux parler à Paotam. Pas autant, tout à l'heure je blaguais, excuse-moi, mais je veux te dire quelque chose. Quand même, tu veux venir dans le live des abeilles pour venir exposer souffre d'écouter parce que tu n'as pas le monopole du travail de parler. Souffre d'écouter. Quand toi, tu nous as parlé, on a blagué. Non. Souffre d'écouter. Si c'est difficile pour toi, attache tes reins, mon ami. Attache tes reins, tu nous écoutes aussi. Parce que tu as fait aussi aux dames. OK? Allez-y. Voilà. Je parle même plus. Donc, je voulais te dire, autant que c'est qui l'incident qui est arrivé avec la fille, c'est fait exprès. Elle est venue, c'est une fille qui a l'habitude de faire des vidéos, montage sur ma pour on dénigre, on l'insulte. Et moi, j'ai voulu signaler ça. Et demain, ça va faire une polémique. Souffre d'écouter, mon ami. Ça va faire des polémiques. Non, quand il s'agit de ma faute, l'image de ma faute, on ne blague plus. Demain, ça va faire les polémiques. Mais c'est pour dire, c'est pour rappeler aux internautes que si même Mafo avait fait la démarche de rencontrer la femme d'Otam, c'était pour se préparer, parce que le Lolo l'adulait à l'époque. C'était très grave. S'il te plaît, souffre d'écouter. Tu n'as pas voulu. Là, tu continues pas à me menacer là. Non. Tu as laissé parler. Tu laisses aussi, je parle et puis moi, je vais descendre. Tu veux descendre. Et tu es dans notre live. Je sors ton live. Merci. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Va dormir. C'est quoi? Vraiment. Choupi, donc à l'époque, Mafo est parti chercher les informations parce que la pipi avait commencé à l'insulter des mois jusqu'à quand elle avait fait sortir la vidéo qu'elle devait se faire connaître sur le nom de Mafo. Elle avait adulé Mafo. C'était grave. Un jour, Mafo a dit, OK, comment elle a compris que les vidéos étaient d'ailleurs. Si ta mère, je savais que tu devais me tuer quand j'allais parler de ça. Mais je travaille le matin et je ne voulais pas le dire. Donc, c'est pour ça qu'elle était partie. Et Mafo a toujours dit ça dans ses lives. Il y a des lives que Mafo dit qu'elle avait fait tout pour avoir la vidéo, mais elle n'a pas eu la vidéo. Donc, il ne vient pas faire semblant comme si elle a eu la vidéo. Elle n'a jamais eu la vidéo. Un instant, même déjà, hein. Même si elle a eu la vidéo, ça fait quoi? Pipi n'est pas allée voir tous les amis de Flore pour prendre les balles là-bas pour venir l'allumer avec. On parle vraiment. Vraiment. C'est juste que je ne voulais pas qu'il parle de ça. Ce n'est pas parce que je veux cacher quelque chose. Mafo, elle m'aimait parler de l'histoire. Il fallait qu'il parle, il devait argumenter à les anciennes qui sont ici. Parce que ce qu'il veut faire là, demain, ça va créer les polémiques. Et la fille qui est venue faire. Elle allait voir tout le monde qui côtoyait Flore pour prendre les balles là-bas. Mais c'est normal. Où est le problème? Pourquoi vous avez coupé? Moi, c'est même pas propre. Il fallait le laisser passer. Je te dis, il fallait le laisser parler. C'est comme si non, il allait commencer. Il veut montrer que moi, il parle avec ma faute. Quand il s'agit de l'image de ma faute, ne présente pas.
on ne plaisante pas. J'ai dit, et puis là, scène de télé, là, ça va faire quoi, Mafo? Mafo, faut passer même si elle a sa propre. C'est elle la première à avoir commencé Facebook. Tout ça là, même lui, là, il parle à Facebook, là, parce qu'il y a une première qui a donné le courage à tout le monde, qui donne le, à César ce qu'il y a à César. C'est quoi ça? Mafo ne va jamais même passer même là-bas. C'est même quelle chaîne de télé, même qu'on fait le chantage, genre qu'elle va passer, elle va passer, elle va faire, c'est ce qu'elle va faire. Qui part à faire des chaînes de télé là? Il n'y a que les abeilles qui donnent l'audience, que quand tu viens, on bombarde les partages. Mafo va rester sur la PDG TV. Un point entre le jour que Mafo parle là-bas, même je signale. C'est quoi? Moi, je trouve qu'il fallait le laisser parler. Il n'y avait rien à cacher parce que c'est comme ça qu'on fait. Il fallait ne pas faire de la situation. Fais ça exprès. Parce que. Chupinette, regarde. Oui, parce que je dois partir au travail. Je ne voulais pas qu'il commence un nouvel épisode. Je dois me coucher. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, non, je fais juste une parenthèse. C'est seulement pour dire, si j'écoute le direct, elle n'a pas fait du mal en allant demander la vidéo parce que Pipi fait pareil. Elle a pris tout. Même dernièrement, elle allait voir Achille pour prendre les balles là-bas. Non, c'est comme ça fonctionne sur toi. Tu connais que l'ennemi de quelqu'un. En fait, tu entends quelque chose sur ta personne, sur quelqu'un que tu ne vas pas chercher. Elle est partie pour chercher, elle n'a pas eu. Et Pipi était dans le coup pour descendre. Pipi était dans le coup avec Roné pour descendre l'entreprise de Mafo. Donc, si je peux me dire le problème, c'est le fait que Pipi la ténébreuse Bamoun pendant longtemps, c'est pas elle qui passait le temps à donner les balles à Pipi là-bas. C'est elle partageait la balle. Elle partageait le bon sens qui est le sud de Mafo. Donc, ce n'est pas que ça avait peur qui parle. Mafo avait déjà parlé de ça. Donc, ce n'est pas ça. C'est juste que je devais vraiment couper. Si celui-là commençait à parler aujourd'hui, on n'allait pas arriver. Donc, je dois vous dire merci vraiment pour ce soir. Merci pour tout, mais je dois vraiment me coucher parce que je travaille. Bisous. Oh, bisous. Bonne nuit, Choupi. Ne la prends plus. Hein. Non, je ne prends plus personne. Bonne nuit, les filles. Merci pour le soutien. C'est vrai que vous avez une soirée formidable. Nous sommes ensemble. C'est Mafo la force et c'est les abeilles et la TKC qui forment vraiment la team. On remercie aussi notre part qui nous a donné l'information que les 16 de Caras, c'était vraiment le Fouma Fouma. Donc maintenant. Et puis les bza avec les avec l'eau qu'on a refusé de donner à part eau et tout ça. Lucie dit quoi? Rectification, Flore n'a jamais insulté l'enfant. Non, ce n'est pas Flore qui a insulté l'enfant d'Aïcha, c'était comment il s'appelle? C'est la petite soeur de Pipi. Elle n'a pas insulté. Elle n'a pas insulté. Donc, on se prend encore demain. Bisous là-bas. Merci pour les étoiles. Général Fancam, je n'ai pas oublié de te dire merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci pour tous ceux qui étaient dans ce direct. On descend. Tu descends, moi, pardon. Tu ne descends pas. Tu vas finir avec moi aujourd'hui. Ne ça, tu voulais monter. À monter. Je suis bien allée depuis le temps. Je ne vois pas. Bonne nuit. Bonne nuit, Bélina. Dis bonne nuit. Ouais, merci. Dis bonne nuit aux gens qui t'écoutent. Ah oui, bonne nuit à tous. C'est bonne nuit, vraiment, c'était une belle émission, quoi. Bonne nuit à toi et merci encore. Hein. Ok. Qui vous dit que c'est où? Dînez-vous là. Hé, hey. Attends, c'est une nono manioc. Hé, hey, maman. Oh. Alors, laissez-moi partir. Et puis, la force de l'été à Cham toute la soirée d'aujourd'hui. Et puis, j'ai encore d'autres luttes dans les inbox. Donc, maintenant, là, quand vous allez venir inbox, si vous n'avez pas le Congo, ça, moi, je ne vous prends plus. À bisous!